parce que Bonjour à tous, ravi et très honoré de vous souhaiter la bienvenue en direct depuis le centre de contrôle du CADMOS, le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales du CNES à Toulouse. Dans un peu moins de 2 heures, nous allons vivre ensemble le lancement de la mission Alpha. Un deuxième séjour donc à bord de la Station spatiale internationale pour Thomas Pesquet, l'astronaute français de l'ESA. Et une première, puisque c'est à bord du Crew Dragon, la capsule de SpaceX, que l'astronaute français et son équipage vont se propulser vers l'ISS. Nous allons suivre ce lancement qui a lieu depuis Cap Canaveral en Floride. Il a été décalé, vous le savez, de 24 heures à cause d'une météo peu clémente. Mais ça y est, nous y sommes. Une nouvelle mission de 6 mois donc pour Thomas Pesquet, après Proxima en 2017, la mission Alpha
aujourd'hui. Comment notre astronaute donc s'est-il préparé pour cette deuxième mission dans l'espace? Et puis que va-t-il se passer au cours des prochaines minutes et au cours des prochaines 24 heures en attendant que la capsule atteigne l'ISS? C'est un événement vraiment exceptionnel que nous allons vivre ensemble aujourd'hui encore. Beaucoup d'excitation et beaucoup de tension autour de moi au Cadmos. Et puis, on l'imagine aussi, évidemment, du côté de Cap Canaveral en Floride, où nous rejoindrons dans quelques instants notre envoyé spécial pour vivre ce lancement au plus près. Et puis, j'ai l'honneur et le grand plaisir, je suis ravie d'être accompagnée sur ce plateau du Cadmos par une figure incontournable, l'astronaute français Jean-François Clairvoy. Bonjour, merci d'être avec moi, Jean-François. Bonjour. C'est un honneur. Bonjour à tous. Alors, vous nous disiez, Jean-François, il y a quelques temps, en référence à cette deuxième mission de Thomas Pesquet, que dans la conquête spatiale, il n'y a pas d'astronaute blasé. Ah oui, vous demandez à n'importe quel astronaute s'il est prêt à repartir. Et c'est une aventure humaine tellement extraordinaire et technologique et aussi qui permet, à l'échelle de la planète, de se poser des questions globales. Et tous les astronautes ont le goût de l'aventure, ils ont le sens de l'exploration et chaque mission spatiale est une aventure pour l'exploration. Mmh. Et on sait que ces missions actuelles contribuent à préparer celles futures vers la Lune, qui elles-mêmes prépareront celles vers Mars. Donc, tous les astronautes vivent avec beaucoup de concentration la mission quand ils sont dedans et avec beaucoup d'émotion quand ils observent leurs collègues partir. Et on va le voir dans quelques instants sur les images qui ont été tournées très tôt ce matin. Tout au long de cette émission, on va recevoir des experts, des scientifiques, des industriels sur ce plateau et en duplex. Cette mission Alpha, évidemment, c'est l'aboutissement, bien sûr, d'un travail colossal pour lequel se sont impliquées de nombreuses équipes. Cette émission que vous suivez aujourd'hui en live est proposée par le CNES en partenariat avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en français et en anglais, en traduction simultanée. Vous pouvez donc nous suivre sur les chaînes Twitch et YouTube du CNES et sur ESA TV. Alors, à l'heure où on se parle, Jean-François, où se trouve exactement Thomas et que fait-il? On va voir le current status, comme on dit en anglais. Ils ont pris place à bord de la capsule. Ils sont attachés, ils sont harnachés, ils sont en position demi-assis, demi-couché. C'est ce qu'on va voir. Et oui, là, l'équipage est installé. Assez à l'avance, plus d'une heure avant le décollage, parce que c'est une mission de rendez-vous spatial. Donc quand on décolle pour rejoindre un vaisseau qui est déjà en orbite, en l'occurrence l'ISS, on a une fenêtre de tir, comme on dit, très étroite. On ne peut lancer qu'à un moment donné précis. Donc on n'a pas de marge pour retarder d'une heure ou deux. Donc pour ça, on prend plus de marge en amont et on installe l'équipage beaucoup plus tôt que sur d'autres missions. Là, l'équipage est installé, connecté. Je pense que les techniciens extérieurs vérifient l'étanchéité, la fermeture mécanique de la porte. Ça va prendre un certain temps. Et donc, ils attendent à ce stade et ils restent concentrés, même s'ils sont très excités au fond d'eux. Voilà, on voit le pas de tir. Voilà, ce sont des images qui ont été prises au petit matin en Floride, donc il fait nuit. On reviendra sur la météo. Le ciel est clair, a priori, en Floride. Oui, alors la météo doit être bonne, non seulement sur le site de lancement, mais sur tous les sites possibles de récupération d'équipage dans l'océan Atlantique, presque jusqu'en Irlande, au cas où ils aient besoin de s'éjecter du lanceur pendant la phase de lancement. Alors, vous nous disiez que pendant cette phase où l'équipage est installé dans la capsule, on vous demande d'être des légumes, en quelque sorte, évidemment. Oui. Les astronautes ont l'habitude de s'équiper eux-mêmes, en orbite, par exemple, quand ils vont revêtir par eux-mêmes tout seuls leur combinaison. Donc, on a tendance, comme dans les simulations, à répéter les gestes. Mais à ce moment-là, des techniciens... Voilà, on les voit. Alors, je vous interromps parce que Thomas Pesquet est tout au fond à droite, au fond de l'écran, c'est ça C'est exact. Au premier plan, donc, c'est Shane Kimbrough, le commandant de bord. Derrière lui, Megan, l'océanographe, pilote. Et Thomas est au fond. Et derrière la caméra, il y avait Akihiko Oshide. Et là, donc, on voit des techniciens qui vérifient, vous nous l'aviez dit, la bonne pressurisation de la capsule, c'est ça? Donc, ils vont fermer plusieurs fois. Voilà, à ce moment-là, donc, l'équipage, on leur demande, quand ils s'installent sur le siège, ne bougez pas, on s'occupe de tout connecter, de tout tester. Une fois que les connexions sont faites, on leur demande un petit essai radio qui a eu lieu déjà il y a quelques dizaines de minutes. Et maintenant, ils s'occupent à vérifier que la porte est bien fixée mécaniquement. Et après, on va vérifier aussi l'étanchéité, puisque c'est le seul moyen d'accès et de sortie de cette capsule. Et on doit vérifier qu'il est étanche, puisque dans l'espace, évidemment, c'est le vide à l'extérieur. Bien sûr. Rassurez-nous, ils ne vont pas rester assis et harnachés comme ça jusqu'à l'arrivée sur l'ISS. Ils vont pouvoir se détacher et circuler Bien sûr. Ils restent harnachés tant qu'ils n'ont pas atteint une orbite stable pendant laquelle, là, ils peuvent se dévêtir et puis préparer leur vie à bord. Parce que pendant 24 heures, ils vont manger, dormir, se laver. C'est ça. Ils peuvent même se changer et circuler dans la capsule, je crois. Il y a quand même un petit peu de place.
Oui, alors c'est un seul volume, mais assez grand pour pouvoir évoluer et puis laisser chacun son tour se déshabiller dans un coin. Ou... Jean-François, dites-nous, dans quel état d'esprit on est à ce moment-là, là, à l'heure qu'il est, à quoi on pense? En fait, les astronautes, depuis plusieurs mois, s'entraînent et se formatent leur esprit, leur état de, intellectuel aussi, à ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est presque normal dans leur vie de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont concentrés. Il ne faut pas louper une seule étape du compte à rebours. Mmh. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont excités parce qu'aujourd'hui, c'est le jour, c'est pour de vrai. Oui, c'est ce qu'on attend depuis très longtemps. La mission Alpha, donc vous l'avez compris, va bientôt décoller. Je vous propose donc de prendre de la hauteur en image tout de suite. See you on the ground. Touchdown confirmed. Retour sur Terre réussi pour Thomas Pesquet. Thomas Pesquet est arrivé il y a quelques minutes. La sensation de flotter, de légèreté, ça me manque. Mais je pense que c'est une reconnaissance pour tout le monde, pas seulement pour moi. Qui peut se faire que grâce au travail de tous ces gens-là. De voir la Terre de haut et de constater cette fragilité, ça fait beaucoup réfléchir. Merci d'être à bord, de voler avec moi et rendez-vous bientôt depuis l'espace. Et bien sûr que nous sommes au rendez-vous depuis le CADMOS, le CNES à Toulouse. Alors on va rappeler, Jean-François, quelques mots quand même sur les objectifs de cette mission Alpha, qui est de faire de la science encore et toujours. Voilà, les astronautes sont des opérateurs de vaisseaux spatiaux, bras robotiques, scaphandres, mais surtout, à 70% de leur temps, d'instruments scientifiques plus ou moins complexes, des séquenceurs d'ADN, des microscopes électroniques, des expériences sur la psychomotricité, sur le cerveau. Et les chercheurs qui publient dans les revues sont au sol. Les astronautes sont les yeux, les mains de ces chercheurs. Et effectivement, c'est, la station spatiale est un laboratoire de recherche. Et la première mission des astronautes à bord, c'est faire fonctionner tout ce matériel scientifique. Pour Thomas, une centaine d'expériences, oui, dont une grande partie a été conçue ici, par on le CNES, à Toulouse, et par plusieurs laboratoires contrôlés depuis cette salle. Et ces expériences qui sont faites à bord de l'ISS, elles ne seraient pas possibles sur Terre. C'est ça qu'il faut préciser, c'est important. Effectivement, la station spatiale, on la place dans l'espace pour étudier tous les phénomènes qui sont révélés par la micro-pesanteur, mais masqués par la pesanteur lorsqu'on est sur Terre. Dans tous les domaines de la science, physique des fluides, des matériaux, biologie, physiologie, médecine. Mais on oriente de plus en plus la recherche sur la physiologie humaine, le fonctionnement du système musculaire, osseux, psychomoteur, visuel, pour mieux connaître le comportement du corps humain dans la durée, puisqu'on a l'intention de s'installer plus tard sur la Lune et dans un futur un peu plus lointain sur Mars. Donc, c'est la raison pour laquelle on continue d'envoyer des astronautes dans l'espace. Effectivement, elle est habitée en permanence depuis 20 ans. Elle a produit beaucoup de thèses, de milliers, dizaines de milliers d'articles scientifiques. Mais c'est aussi un banc d'essai de coopération internationale à l'échelle de la planète, ou presque à l'échelle. Il n'y a pas encore les Chinois qui participent. Mais on a appris à travailler ensemble, à se soutenir ensemble, à se rendre service mutuellement, même entre des puissances qui connaissent des tensions géopolitiques à la surface. Allez, justement, je vous propose un petit rappel des fondamentaux de cette mission Alpha en images, ses objectifs rappelés par Thomas Pesquet. On regarde. ESA astronaut Thomas Pesquet from France is about to begin his second long duration stay on board the ISS. His mission is named Alpha, after Alpha Centauri, the closest star system to Earth. Since Thomas' first mission, which ended in the summer of 2017, three more ESA astronauts have lived and worked in orbit.
His upcoming mission will continue Europe's ongoing habitation of the ISS, but with some radical new developments. ISS has changed a little bit, but not so much. The science experiments, there are some new ones, and also the same ones that I performed last time are still ongoing because you need more data. So I won't be too surprised. But there's also some big differences. One big difference is obviously how to get there. And I flew with the Russian Soyuz from Baikonur, Kazakhstan, the last time. This time I'm going to launch from Florida, which is completely new for us since the space shuttle retired 10 years ago. So different training, different vehicle. It's like when you're a pilot and you change plane, you change to a completely different plane. You have to relearn everything. Toma will travel to the ISS with three other astronauts on board the commercial spacecraft SpaceX Crew Dragon. This will be its second operational flight, lifting off from Cape Canaveral on board a Falcon 9 launcher. He'll be the first European to launch from the USA since 2011, when Roberto Vittori from Italy flew on board Space Shuttle Endeavour to deliver the Alpha Magnetic Spectrometer. Despite his previous experience in orbit, Toma has had to undergo a long and intense training program for the Alpha mission. Preparations for this flight have been particularly challenging as they've coincided with restrictions caused by the global COVID-19 pandemic. We really try to lower the risk. We've reduced our traveling quite a lot. So now everything that we can do remote, just like everybody, we do remote. Everything that's not mandatory, we cancel. And by doing this, we're in good shape to be on time for launch, which is pretty amazing. And I think everybody has done a very impressive job, in spite of the pandemic, of still pressing ahead and ticking all the boxes. Once he's back on board the ISS, Toma will spend much of his time on scientific research. And the other thing was, during his last mission, he took part in over 200 experiments, setting a record for the number of hours spent on science in a week. ESA's Columbus Laboratory has been considerably upgraded since his last stay, with faster access to experiments for researchers on Earth. He'll also be carrying out maintenance tasks as part of the station's crew, this time with the benefit of 6 months' experience in orbit. The second time, it's a bit different. You know exactly what you need to know, what you don't need to know, how to do things. You have an idea. So I think I'm going to enjoy it more, because the first time I was always constantly trying to do work and do things, and I was never, ever idle on board the space station. This time I'm going to try to take some time for myself and maybe make some good memories. Toma Pesquet's upcoming launch will see him pioneer a new phase in European spaceflight. And as the Alpha mission unfolds, continue ESA's role as an international partner in orbit. Voilà, nous sommes à un peu plus d'une heure du lancement de la mission Alpha. Outre-Atlantique, la pression doit commencer à monter, on l'imagine. Je vous propose justement de rejoindre tout de suite notre envoyé spécial à Cap Canaveral, Dominique Detain. Bonjour Dominique, comment allez-vous? Quelle est l'atmosphère ce matin? Oui, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue ici au Centre spatial Kennedy en Floride, où l'atmosphère, eh bien, c'est l'atmosphère classique des lancements sur cette base mythique qui a vu s'envoler les premiers hommes vers la Lune notamment. Et une ambiance mélangée entre la tension, l'excitation et un peu d'appréhension, bien sûr. Alors, vous le savez, plusieurs nouveautés pour ce vol. Toma Pesquet, pour vous, il est derrière moi là, à 5 km. Et pour l'instant, eh bien, écoutez, tout se présente bien. La météo est favorable. Vous le savez, ce n'est pas seulement ici que la météo doit être correcte. Il faut aussi qu'elle soit bonne tout le long de la trajectoire. Et pour le moment, on a pu donner le vert, comme on aime bien dire, à Kourou. Il y a aussi le fait, et ça c'est le côté appréhension, que c'est la première fois qu'on utilise, qu'on réutilise des capsules. Et puis un lanceur, le booster, le premier étage, a déjà volé, ainsi que la capsule qui a été ensuite refurbichée, comme on dit, qui a été réaménagée, et que l'on avait pu voir il y a quelques mois dans l'usine de SpaceX. En tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Et alors, j'ai justement près de moi Mike Curie, qui est le analyste dans le programme commercial à la NASA. Alors, Mike Curie, what's going on now? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour, Dominique. Je ne parle pas français, but
just wanted to say hello. Thank you, very kind of you. So what's up? What's the situation? Everything is going great. Everything has been on the timeline. The flight crew is awakened on time. They ate breakfast. They went out to the launch pad where a crew met them and took them up into the crew access arm, into the white room. They're now inside the spacecraft. The hatch is closed. Everything is going well. They've done communications checks with the crew, and you can hear everyone just fine. That was an important step. The next item is that the crew that helped to put them in the capsule. Eh bien, c'est l'équipe qui va les aider, qui les a aidés à rentrer dans la capsule, va quitter le pâtir. Il n'y aura plus que 4 personnes sur le centre sur le pâtir, et le carburant est en train d'être chargé. Avons-nous des inquiétudes? Non, pour l'instant, aucune inquiétude. La météo, tout va pour le mieux. On est à temps. Et ma foi, la trajectoire, tout le long de la trajectoire, la météo est bonne. Donc, tout va bien. Eh bien merci, Mike. On se verra plus tard. À vous, Sophie. Effectivement, on vous retrouve dans quelques minutes. Alors, que va faire Thomas Pesquet pendant sa mission et qu'est-ce que la science, finalement, attend des astronautes dans l'ISS pour nous expliquer tout ça? J'ai à mes côtés au CADMO Sébastien Rouquette. Bonjour Sébastien. That was good for that one. Vous êtes ingénieur vol habité au CADMO. À Toulouse, l'un des responsables du développement expériences pour la mission Alpha. Vous faites partie de l'équipe qui a créé les expériences que Thomas va réaliser. Donc vous êtes cet intermédiaire. Expliquez-nous ce que la communauté scientifique attend vraiment de l'astronaute. Alors la communauté scientifique, elle utilise l'astronaute, je vais dire, de deux façons. L'astronaute, tout à l'heure, est un opérateur pour les... Et l'astronaute, étudier l'adaptation est très intéressant, y compris pour des applications terrestres. Donc voilà un petit peu la façon dont on va utiliser Thomas pendant son séjour de 6 mois dans l'espace. Alors justement, qu'est-ce qu'il va faire Thomas, concrètement? Alors, son temps, il est partagé entre beaucoup d'activités. La journée d'un astronaute, elle est très chargée, du réveil le matin à 6h30 à peu près, jusqu'au coucher à 21h30 environ. Ça commence par un briefing, puis distribution des tâches, je vais dire, évidemment un petit déjeuner. Et puis là, il va partager le temps actif entre à peu près 40 à 50% de temps pour les manips scientifiques et 40% pour ce qui concerne l'entretien de la station. Un petit peu de sport également. Tous les jours. Deux heures d'activité tous les jours pour maintenir le corps en forme. Et voilà un petit peu le programme. Côté scientifique, évidemment, là, ce sont de nombreuses expériences qu'il va devoir réaliser pendant 6 mois. Alors, on reviendra dans les détails sur ces expériences, mais peut-être quels sont les champs d'activité de ces différentes expériences qu'il va mener? Alors, bien sûr, on a un temps un petit peu court là, pour développer toutes les expériences qui vont être développées à bord. Globalement, on s'intéresse à des sujets qui sont la physique de la matière, les sciences de la matière, comme on les appelle, les sciences de la vie. La physiologie, la neurologie, par exemple. La technologie, évidemment, parce qu'on prépare également les vols d'exploration du futur, donc ce soit vers la Lune ou vers Mars. Même si ça ne fait pas partie, on va dire, de la majorité des expériences, on a cette vision, en fait, pour préparer l'exploration de demain. Merci Sébastien. Vous restez avec nous parce qu'on vous retrouve tout à l'heure. Alors, le CNES et l'ESA ont une politique éducative forte à l'attention des jeunes, dans l'optique, évidemment, de susciter des vocations. Eh bien, je vous propose justement de découvrir une opération menée conjointement par le CNES et l'ESA. Nous allons, tout au long de cette émission, découvrir quelques projets éducatifs en images. La première vidéo que je vous propose, c'est un focus sur les vols paraboliques. On regarde. Et le vol parabolique, c'est un peu votre bébé, Jean-François. Oui, avec un collègue, il y a plus de 30 ans, on a créé cette première activité en Europe. Il consiste à placer l'avion sur un arc orbital terrestre, mais à l'intérieur de l'atmosphère. Et par un pilotage particulier, on lui fait croire qu'il est dans le vide pendant 22 secondes à la fois. Et sur tous les phénomènes dont le mécanisme dure moins de 22 secondes, on peut effectuer de la recherche dans les mêmes disciplines que celles de l'ISS. Et le CNES, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale allemande sont des clients de ces vols paraboliques réguliers qui permettent aux scientifiques d'être lui-même sur sa manip de labo, contrairement
aux vols spatiaux dans l'ISS où le chercheur doit déléguer à l'astronaute un travail sur une expérience qui a été confiée à l'industrie, parce qu'il faut qu'elle soit sûre, évidemment, beaucoup plus sûre évidemment. Que dans un avion. Alors, ça n'est évidemment qu'un court échantillon de la palette de projets éducatifs à découvrir d'ailleurs sur le site du CNES. On va voir 4 vidéos de 15 secondes pendant cette émission et qui seront compilées en une seule. On découvrira ça à la fin de cette émission. Je vous propose tout de suite de revenir sur le travail effectué par la NASA, SpaceX et l'ESA à propos du lanceur. On va écouter une interview de Frank Devine, chef du programme ISS pour l'ESA. Tout a été évidemment pensé pour que nos astronautes partent 100% en safe. Il a été interviewé il y a quelques jours, on l'écoute. On est ici au Kennedy Space Center. Thomas va partir avec le Crew Dragon, le lanceur et le véhicule qui est derrière moi. C'est une étape très importante pour l'Agence spatiale européenne. Naturellement, c'est le premier astronaute qui va voler sur un véhicule commercial américain. On a travaillé depuis 2 ans déjà avec nos collègues de la NASA et pour être certain que ce vol peut se passer en toute sécurité pour l'équipage. C'est naturellement le premier souci qu'on a. On vient de faire un Flight Readiness Review où, ensemble avec les équipes de la NASA et SpaceX, on a revu tout en détail, tout ce qui est pertinent pour ce vol, les risques qui sont encore là, parce que naturellement, voler dans l'espace, il y a toujours des risques. Comment on a mitigé ces risques et comment on a finalement décidé qu'on est prêt pour lancer Thomas sur ce véhicule Dragon. Je dois dire, c'était excellent comment on a pu travailler avec les équipes de la NASA et avec les équipes de SpaceX pour justement tout comprendre, parce que c'est non plus uniquement le premier vol d'un astronaute européen sur un véhicule Dragon, mais c'est aussi un véhicule qui est réutilisé pour la première fois et aussi un lanceur qui est réutilisé pour la première fois pour lancer des astronautes dans l'espace. Mais en tout, je dois vraiment féliciter nos collègues de la NASA et de SpaceX pour donner toutes les informations qu'on est confiant que Thomas peut partir avec ce lanceur et ce véhicule. Évidemment, il n'y a pas que Thomas qui part, ils sont 4 en tout. Jean-François, expliquez-nous justement quel est le rôle des membres de l'équipage de cette mission Alpha à bord du Crew Dragon et dans l'ISS. Alors, le Crew Dragon, c'est un véhicule de transport, mais qui, en plus de faire le transport normal vers la station et le retour, sert de chaloupe de sauvetage à tout moment pour permettre à l'équipage de revenir en urgence sur Terre en quelques heures si la station doit être abandonnée pour une raison majeure. Et c'est un véhicule révolutionnaire puisque on fait une grande confiance aux ordinateurs. Oui. Donc il y a beaucoup moins d'implication de l'équipage dans la gestion des pannes. Par exemple, il est très automatisé, très autonome. Oui. L'équipage, il est surveillé et contrôlé depuis le centre de contrôle privé de la société SpaceX. Donc l'équipage a très peu de scénarios nécessitant d'intervenir en urgence. Ils ont la possibilité de s'éjecter eux-mêmes. S'il y a une anomalie majeure lors du lancement qui peut être liée au lanceur ou la déviation de trajectoire. Si le véhicule dévie et peut retomber sur la côte est des États-Unis, l'équipage est éjecté et depuis le sol, on commande la destruction du lanceur. Mais ça, c'est important. On est plus dans l'autonomisation avec cette capsule. Oui, j'ai un commandant de bord, un ami commandant de bord de la deuxième mission privée qui aura lieu l'année prochaine. Deuxième mission avec des touristes à bord qui me disaient « j'ai plus qu'à acheter un livre pour le lire pendant le lancement ». Mais en fait, des informations sont présentées à l'équipage sur les écrans tactiles et ils ont la possibilité de lancer quelques commandes si nécessaire. Mais a priori, même en cas de panne, ils n'ont pas besoin d'intervenir. Alors, on rappelle, Jean-François, 2 Américains, Megan MacArthur et Shane Kimbrough, qui occupent respectivement les postes de pilote et de commandant. On va voir leur visage s'afficher. Un Japonais, Akihiko Oshide, spécialiste de mission. Et puis, évidemment, notre Thomas Pesquet national, qui est mission spécialiste. Et d'ailleurs, on entend beaucoup qu'il est commandant à bord de l'ISS, pas encore à la fin de sa mission. Effectivement, lorsqu'un astronaute est considéré suffisamment excellent, performant dans la profession, on cherche à leur donner l'occasion d'assumer la fonction de commandant de bord. Donc Shane Kimbrough, c'est Shane là qu'on voit. Voilà, il l'a déjà été lors de sa mission précédente. Il est commandant de bord du Crew Dragon. En général, on n'assume pas
les deux commandements simultanément. On oui. distingue celui du vaisseau de transport et celui de la station. Donc c'est le Japonais le plus expérimenté qui va être commandant de bord. Thomas le sera à la suite, vers la fin de sa mission. Et Meghan, dont c'est le premier vol, elle le sera peut-être sur la mission suivante. Oui, c'est la seule des quatre membres d'équipage qui n'est, on la voit à l'écran. Alors, effectivement, Meghan, c'est la seule qui n'est pas allée encore dans l'ISS. Shen a un vol en navette et un vol vers l'ISS. Meghan a un seul vol en navette vers le télescope spatial Hubble. Akihiko Hoshide a deux vols, un en navette, un en station. Et Thomas a un vol de longue durée. Donc c'est un équipage expérimenté. Ils ont tous au moins un vol dans l'espace, mais Meghan est effectivement la seule qui n'a pas connu encore l'ISS. Et ils se connaissent très bien tous les quatre, évidemment. Oui, c'est un équipage, comme on dit, extrêmement compatible, très compatible. Thomas a déjà volé avec Shen dans l'espace. Ils s'entraînent ensemble depuis plus d'un an, un an et demi. Donc ils se connaissent très bien et s'entendent très bien, ce qui est très important. Une dernière question, Jean-François. Qu'est-ce que ça change finalement d'être commandant à bord de l'ISS ? Qu'est-ce que ça va changer pour la mission de Thomas ? Ben disons, vous observez un équipage en train de travailler dans l'ISS, vous êtes incapable de dire lequel est commandant de bord. Bien sûr. Mais en cas d'urgence nécessitant des actions rapides, c'est le commandant de bord qui prend les décisions, distribue les rôles et décide. L'autorité dans une mission spatiale, c'est le directeur de vol au sol. Et le commandant de bord a autorité par délégation en cas de perte de communication ou lorsqu'on n'a pas le temps de consulter le centre de contrôle. Alors, on a quelques questions qui nous sont déjà parvenues. Merci de nous suivre en direct, en live. Est-ce que les emplois du temps des astronautes sont réglés sur des journées de 24 heures ou sont-ils complètement décorrélés d'une journée terrienne et quels sont les impacts sur le métabolisme ? Très court la réponse, si c'est possible, Jean-François. Dans l'ISS, on vit sur un fuseau horaire terrestre du temps universel de Greenwich. Donc, c'est 2 heures de moins que l'heure de Paris, avec 8 heures de sommeil par jour. Mmh. Donc, journée 24 heures. Mmh. Un impact sur le métabolisme, il y en a beaucoup. Hein. Oui, sur la longue durée, on a des changements du système musculaire, osseux, urinaire, digestif, cardiovasculaire, vestibulaire, visuel, immunitaire. On devient extraterrestre, en résumé. Alors, ben justement, on va découvrir tout de suite quel va être le rôle de notre astronaute Thomas Pesquet et surtout comment il s'y est préparé en images. For the ISS, we have a dedicated priority order. First comes the crew, then the vehicle, then the mission. So pragmatically, for the crew training, we have to keep the crew safe and to keep the crew alive. So to keep the crew safe, Thomas had to undergo training for safety for emergency situations like fire or depressurization. And also being alive means how to live on board the ISS, so eating, sleeping, and hygiene procedures. For the vehicle, we have two different vehicles, the vehicle to go and to return from the ISS with SpaceX, and ISS is itself a vehicle. Therefore, there is a lot of training on the piloting of the vehicle, both of them, and also the systems that are on board both of them. So that's a long process of training. And finally, the mission. The mission is really the work content, the experimental content that the crew will have to perform during the mission. This is the last phase of the training and usually the most intense, and I hope the most interesting as well. Voilà, nous sommes toujours en live au CADMOS, au CNES de Toulouse, pour assister au lancement de la mission Alpha. Nous sommes à peu près à 50 minutes du lancement. La pression continue à monter. Bien sûr, elle doit être assez forte quand même sur les épaules des quatre membres de l'équipage, même si on le sait, ils sont très préparés, ils attendent ce moment avec impatience. On rappelle, Jean-François, qu'ils sont arrivés en Floride il y a quelques jours déjà pour se préparer, pour s'isoler, pour se concentrer. Il y a tout un rituel aussi qu'ils ont vécu. C'est ce qu'on va voir en images, que peut-être vous pouvez nous commenter, parce que vous connaissez bien ce moment-là. On va les voir tout d'abord dans leur avion à l'arrivée. Voilà, ils vont arriver. C'est un moment sympa, Floride, voilà. Lorsque l'équipage, en arrivant, commence par faire ce qu'on appelle un fly-by, c'est-à-dire un vol autour de leur pâtir. Ouais. Ils se posent sur ce site mythique de Cap Canaveral où ont décollé les missions Mercury, Gemini, Apollo. Et voilà nos quatre membres d'équipage qui descendent de l'avion. Thomas en dernier, c'est le plus grand, hein. Il est grand Thomas. Oui, surtout comparé à qui. À qui, oui. Donc c'est l'occasion de dire quelques mots. Ils sont accueillis par qui ? Il y a Franck de Wijn qui est Alors, Franck de Wijn qui tenait les mains derrière lui, voilà, qui est le chef du programme ISS à l'ESA, chef des astronautes et qui a été le premier commandant de bord
non américain, non russe, d'un vaisseau spatial, il y a une dizaine d'années, donc de l'ISS. Ils vont se diriger vers une conférence de presse et puis on va écouter Thomas qui répond aux questions du journaliste de France 2, Loïc Delamornay. Alors à l'époque de la navette, on arrivait en T-38, les petits avions de chasse. Thomas, est-ce que vous pourriez nous donner votre état d'esprit de partir de cet endroit historique, symbolique ? Ouais, je pense d'abord qu'effectivement cet endroit c'est un petit peu magique. Pour moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis astronaute, donc maintenant, même si je suis encore le plus jeune de l'ESA, mais ça ne va pas durer parce qu'on a une sélection qui arrive cette année, je suis quand même un vétéran et pourtant je n'étais jamais vraiment venu ici et du coup je découvre un peu tout, donc c'est quand même super, super enthousiasmant pour moi après 10 ans de carrière de recommencer un petit peu à zéro et j'ai l'impression d'être comme un gamin et de découvrir toutes les installations et les gens qui ont fait vivre le programme de la navette spatiale, les programmes qui l'ont précédé et puis qu'on continuait à maintenir la base pendant ces années où on n'avait plus de départ depuis ici. Go Dragon, go Falcon 9, go Crew 2. Thank you, everybody. Voilà pour cette conférence de presse sur le tarmac. La quarantaine a trois objectifs. C'est se décaler dans le fuseau horaire de la mission. C'est s'isoler des risques infectieux. Bien sûr. Se détendre. Et puis répéter, dans leur cas il y a quelques jours, exactement le même processus que le jour du décollage, sauf qu'on n'allume pas les moteurs. Donc ils l'ont fait il y a quelques jours. Ils vont faire toute la séquence. Voilà, toute la séquence. Ils se sont donc aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'ils s'installent dans leur capsule. Ils sont partis en Tesla, on a vu. Alors ça c'est intéressant Jean-François, j'aime bien vous arrêter là-dessus, parce qu'en Russie, on n'a pas le droit, ça porte malheur soi-disant, de prendre des photos, d'aller sur le pas de tir. Ici, en Floride, ce n'est pas le cas. On fait des selfies devant son lanceur. Chaque agence a son propre rituel. Mais j'avoue qu'aller voir son vaisseau qu'on a fini par apprendre, par découvrir, par aimer, puisque c'est celui qui va nous protéger pendant les missions, on l'aime notre vaisseau et c'est sympa d'aller le voir un peu à l'avance. Voilà notre équipage. Donc là, c'était la sortie lors du compte à rebours, c'est pas la sortie de ce matin. Non, là, c'est la journée de répétition. Voilà, de la répétition du compte à rebours. Oui. Ouais, ils sont en forme. Ils sont détendus, concentrés mais détendus. Voilà, à bord de la Tesla. Cette répétition, elle a eu lieu quand il y a un jour ou deux, je crois. C'était il y a 4 ou 5 jours. Ouais, très bien. Allez, transition maintenant, parce qu'on va passer à la phase technique qui va démarrer. On est à moins 45 minutes du lancement. Et on est à la phase dite du SpaceX Launch Director Announcement, le Go for Loading Propellant. Jean-François, expliquez-nous ce qui se passe. Dans le compte à rebours, il y a un grand nombre d'étapes clés qui doivent toutes se passer avec succès avant d'entamer la phase suivante. Et une des phases critiques, c'est le remplissage des réservoirs. Qui exceptionnellement, avec ce lanceur, est exécuté après l'installation de l'équipage. Alors que sur les autres missions, quand l'équipage arrive, la fusée est déjà remplie de son carburant, de ses combustibles. Donc il y a beaucoup de vérifications à faire avant d'autoriser le remplissage de ces produits qui sont délicats à manipuler. Donc il y a beaucoup d'opérations qui se font, même 45 minutes avant le décollage. Oui, alors en tout cas, tant que l'équipage a accès à la passerelle pour évacuer, on ne remplit pas les réservoirs, mais les séquences, les préparations mises sous pression, ouverture, fermeture de valves ont lieu dans une certaine séquence. Mais une fois que le bras sera séparé, on le verra, on leur donnera un autre moyen d'échapper à la fusée par l'éjection de leur capsule qui sera armée. Et vous le disiez tout à l'heure, Jean-François, l'équipage n'a pas de manipulation à faire. Ils sont attentifs, mais... Oui, l'équipage suit, écoute ce qui se dit au centre de lancement, l'avancement du compte à rebours. Et on les tient toujours au courant de ce qui se passe. C'est important d'être informé de l'état de santé de son vaisseau jusqu'au dernier moment, même sur des petits détails. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont une petite oreillette dans leur capsule? Chacun une petite oreillette? Ils ont une cagoule qui porte deux écouteurs, ils ont même deux micros. Ouais. Et ils peuvent se parler entre eux. Ils peuvent se parler entre eux. Voilà, il y a ce qu'on appelle l'intercom. Ils peuvent aussi, en appuyant sur un bouton, parler à l'extérieur, au centre de contrôle. Et bien sûr, ils sont en écoute constante de ce qui se dit... dans l'équipe qui prépare le lancement. Qu'est-ce qu'on se dit à 45 minutes entre les membres? Alors là, c'est ce qu'on appelle le cockpit stérile, stérile cockpit, comme dans un avion de ligne. Quand on est proche du départ, on ne dit que ce qu'on a à dire. On ne fait pas de plaisanterie à ce moment-là. On reste concentré.
prêt à entendre la moindre information importante. Bien sûr, ça c'est important. Alors je crois qu'on va pouvoir rejoindre notre correspondant spécial sur place au Kennedy Space Center, Dominique Detain. Est-ce que vous m'entendez, Dominique? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous vois. Dans le vent de la Floride. Oui, Sophie, eh bien écoutez, ici... Oui, Sophie, ici, tout est nominal, comme on aime bien dire au Centre spatial guyanais, c'est-à-dire que tout se passe de façon normale et dans les temps. Et on est près d'un moment qui est très important, qui s'appelle le Crew Access Arm Retract, c'est-à-dire le retrait du bras qui permet d'accéder à la capsule. Mike Curry, you're back with me, our NASA expert. So what does that Michael, mean? Vous êtes de retour. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que c'est cet retrait du bras? Eh bien, c'est un passage très important, c'est un moment très important. Cela signifie que tout va bien, que le véhicule est prêt pour le remplissage du carburant, que tout le monde a quitté le pas de tir. Et donc, le bras armé se retire et laisse l'équipe seule dans la capsule tout en haut de du Falcon 9. Et cela signifie que... Et c'est une chose conçue par SpaceX. Dès que le bras est retiré, l'équipe doit armer le système d'urgence. Donc s'il y avait un problème, quel qu'il soit, avec le chargement du carburant, ils peuvent annuler l'opération et ils peuvent s'éjecter. Déployer un parachute et retomber sain et sauf. On ne s'attend pas à ce que ça arrive, mais il faut retirer le bras pour ne pas empêcher la fusée de décoller. Donc, et si on annule le lancement pour une autre raison, enfin, l'équipe peut revenir, ça n'est pas irréversible. Non, pas du tout. Alors, si l'équipe doit revenir, ils peuvent sortir tout de suite, on remet le bras, et en 30 secondes, l'équipe peut quitter la capsule tout de suite, ou même pour toute, si on décide d'annuler aujourd'hui, si on reporte le lancement, par exemple, on peut remettre en place le bras en 30 secondes et il y a un système de déchargement de carburant très précis qui a lieu. Et bah, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et quel est l'objectif de ce programme? Eh bien, l'objectif, c'est de se rendre sur la Station spatiale internationale, l'ISS. Juste pour le plaisir de voler ou de regarder la Terre, mais c'est un véritable laboratoire, on l'a dit, on le sait, et j'attends maintenant sur le plateau eh bien mon invité prochain, qui est le responsable scientifique de l'agence de la Station spatiale internationale. Le masque est bien pratique, et qui va nous expliquer justement ce que l'on attend de Thomas en particulier. Thomas ayant volé deux fois, c'est très intéressant parce qu'il a certaines expériences qu'il a pu mener pendant Proxima, qu'il est sans doute appelé à reconduire maintenant ou alors à améliorer. Et c'est ce que Kurt Costello devrait pouvoir nous raconter. Oui, voilà, il arrive. On est en pleine nature, vous voyez, à 5 km du pad. Alors, Kurt Costello, good evening. Good morning. I mean, we're a bit bonsoir. Lost, écoutez, on est un peu perdu. Hein, la nuit, le soir, on ne sait jamais. Enfin, bref. Ce que je disais, c'est qu'on ne va pas à l'ISS juste pour s'amuser, avoir un bon coup d'œil sur la Terre. Non, c'est vraiment des raisons scientifiques qui nous poussent à y aller. Alors, écoutez, bonjour Dominique. Oui, l'équipe va sur l'ISS, pas seulement pour l'excellente expérience de voler dans l'espace. Non, on a des équipes de scientifiques qui sont là-haut et Thomas va effectuer des recherches dans le domaine des sciences humaines. Il va travailler, on va faire des expériences sur les cellules, ces petites cellules qui permettent de développer un certain nombre d'expériences. Et c'est un nouveau type de recherche? Oui, tout à fait. C'est une nouvelle discipline et qui nous permet de comprendre comment
les fonctionnalités du corps humain changent lorsqu'on est dans des conditions de microgravité. Et certaines de ces expériences nous aideront à trouver de nouveaux moyens pour trouver des médicaments et traiter des maladies, par exemple. Et y a-t-il des expériences qui ont été menées lors de la première expérience qui avaient trait à ce sujet? Non, non. Maintenant, ce sont de nouvelles expériences qui vont être menées. Et donc, on va se pencher sur les fonctions d'un certain nombre de médicaments, de nouveaux composés. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Kurt. Et bien sûr, on va suivre ceci de près. Et les gens du Cadmos à Toulouse, bien sûr, côté français, seront ravis de suivre ceci de très près. Merci beaucoup. Oui, on l'a déjà dit, donc l'objectif de ce vol sur l'ISS. Donc, Andreas Mogensen a déjà été sur l'ISS. C'est le premier Danois dans l'espace. Et il a été à la place de Thomas, pas dans cette capsule, mais à Baïkonour. Alors, comment on se sent quand on est tout en haut d'une fusée avant de s'envoler? Eh bien, écoutez, vous ne savez jamais que vous allez partir jusqu'à ce que le compte à rebours est à zéro et que les moteurs s'allument. Jusqu'à ce moment-là, il y a tant de choses qui peuvent arriver que... Enfin, par exemple, la météo, tout simplement. Vous ne savez jamais, tant que les moteurs ne sont pas allumés et tant que vous sentez que la fusée bouge, vous n'êtes pas parti. Alors, l'impression... Enfin, comment dire, pour commencer, si vous voulez, les astronautes, ce sont des gens qui sont extrêmement posés. Vous n'êtes pas là assis à vous détendre. Vous contrôlez le système. Vous suivez tous les différents paramètres de vitaux, paramètres des moteurs. Vous vérifiez que tout est nominal, que tout est comme tout doit être. Et donc, une fois que les moteurs sont coupés et une fois que vous êtes dans la pesanteur, alors vous pouvez commencer à souffler et dire « c'est bon, on est en orbite, on est en chemin pour la station spatiale ». On parle de la Station Spatiale Internationale. Et justement, on a aussi rencontré le médecin de Thomas Pesquet pour cette mission, Adrianos Golemis. Et il va nous expliquer le stress que doivent supporter les astronautes pendant le décollage et aussi pendant la durée de la mission. On l'écoute tout de suite. Thomas va bien, il est prêt pour sa mission spatiale qui commence aujourd'hui. Nous, de notre côté, on fait plusieurs tests médicaux pour rassurer en fait que l'astronaute est prêt, côté médical et psychologique. Donc tout va bien malgré les contraintes de Covid. On est prêt pour la mission Alpha. Ils sont sélectionnés pour être capables de lutter contre le stress et avec le training qu'ils ont après, cet effet augmenté. Donc ils peuvent vraiment se focaliser vers la tâche qu'il faut faire. Et comme ça, le stress n'est pas un facteur si grave qu'il est pour les restes, pour nous ou pour une personne qui serait dans cette situation-là. Alors, bien sûr, il faut être bien préparé et avoir un caractère fort pour pouvoir tenir 6 mois dans l'espace, dans un environnement confiné. Mais de l'autre côté, comme disent nos astronautes européennes, il faut essayer et il faut s'améliorer. Donc, ils n'ont pas des surhommes dès le début. Non, ça devient avec le training. Et finalement, c'est comme ça qu'ils peuvent tenir jusqu'à la fin. Donc, ce sont des confinés volontaires, mais qui ne peuvent jamais sortir. Non, ils ne peuvent pas sortir. Ils sortent parfois en faisant des spacewalks pour des raisons opérationnelles. Mais ce n'est pas juste pour s'amuser comme on fait dans la vie quotidienne. Voilà, le compte à rebours continue. On se retrouve tout à l'heure. À vous, Sophie. Il y a une phase importante qui est en train ou qui vient de se passer, Jean-François, c'est le Dragon Spacecraft Launch Escape System, armed. Ça veut dire que c'est la sauvegarde du système, c'est ça? La capsule est capable, à partir de maintenant, d'éjecter l'équipage en cas de problème lors du remplissage des réservoirs qui va commencer. Qui va commencer. Ça s'appelle le Rocket Grade Kerosene Loading, qui doit être en train de commencer. Là. Alors, Effectivement, il y a deux combustibles qui, en réagissant, créent la poussée par les moteurs. C'est du kérosène affiné et de l'oxygène liquide.
Quand on les combine, ça permet de créer une réaction chimique qui crée la poussée. C'est le principe des moteurs fusées. Et donc les deux réservoirs, les deux étages 1 et 2 sont en train d'être remplis du kérosène. Et par contre, ils vont être remplis successivement par l'oxygène liquide, le premier puis le second. Oui, vous disiez que c'est la méthode du fill and go, et ça c'est vraiment inédit sur cette mission. Oui, ça me rappelle dans les avions, parfois ça arrive d'embarquer avant que le plein soit fait dans l'avion, et on vous demande de ne pas accrocher votre ceinture pour être prêt à évacuer si nécessaire. Et là, c'est la première fois dans l'histoire qu'un équipage, enfin dans l'histoire, le principe de ce Crew Dragon, l'équipage est installé avant le remplissage. Donc le remplissage commence à peine 35 minutes avant le décollage. Et ça, c'est inédit dans l'histoire des vols habités. On rappelle, Jean-François, que si la séquence d'allumage n'est pas nominale, on sait l'arrêter, même à quelques secondes. Oui, en ce moment, l'équipage a le moyen de s'échapper si jamais une anomalie se produit au niveau du lanceur, ou s'il n'y a aucune anomalie mais qu'on ne lance pas, on remet le bras à la passerelle et l'équipage sort par le même endroit par lequel ils sont rentrés. Mais là, leur moyen d'éjection rapide, c'est la capsule avec ses 8 moteurs extrêmement puissants qui ne sont pas activés s'il n'y a pas besoin et donc réutilisables la fois suivante. Quelles sont les deux, je crois qu'il y a deux phases techniques importantes juste après le remplissage du moteur. À quoi est-ce qu'on va assister ? Une fois que les réservoirs sont remplis, il y a une étape où le lanceur prend son autonomie électrique à quelques minutes avant le décollage et à une minute, il prend son autonomie de gestion du compte à rebours. D'accord. Allez, il est temps de découvrir, la pression monte sur ce plateau quand même un peu, on est tendu, il est temps de découvrir une autre petite vidéo, Mission X pour s'entraîner comme un astronaute, je vous propose de la regarder, entraîne-toi comme un astronaute, on va voir d'ailleurs Thomas faire du sport, tiens. Voilà, les enfants, vous avez vu un petit peu en termes de sport, il faut y aller, il faut s'entraîner. Allez, la station spatiale internationale est composée de différents modules. On imagine les parties habitation, les longs couloirs dans lesquels on plane ou encore les parties sciences et laboratoires. Dans ce vaisseau, des astronautes de différentes nationalités se côtoient en volant. On imagine qu'il faut un chef d'orchestre pour gérer tout cela et pour que tout soit le plus smooth possible, comme disent les Américains. Une mission de logistique qui n'est pas une sinécure. L'homme en charge de cette mission pour l'Agence spatiale européenne, c'est Simon Challis qu'on va rejoindre tout de suite en duplex. Il est Increment Manager at Europe's Columbus Control Center, donc responsable de mission au centre de contrôle de l'ESA. Hello Simon, how are you? Thank you for being with us this morning. Yeah, good morning, and thank you for allowing me to join this broadcast today. I'm very excited, like many of us today, this fantastic launch. C'est un lancement fantastique. Vous faites donc ce, vous êtes responsable de ce de l'ESA, donc pour ce type d'activité. C'est une très belle question. Comme vous le savez, il y a différents centres de contrôle, cinq grands sites de contrôle et à bord de la station, et avec l'équipe au sol qui intègre l'ensemble de ces opérations et des ressources pour l'équipage afin d'éviter tout conflit possible entre les activités qui sont effectuées en parallèle. Par exemple, si vous avez Thomas qui travaille sur la station Columbus, il peut avoir un certain problème avec... Et vous aurez, par exemple, un autre Américain qui va utiliser et partager le même équipement. Donc, il faut planifier des opérations qui vont, afin d'éviter tout conflit entre les différents intervenants. Et en fait, donc, le plan change tout le temps. C'est très, très dynamique. Dites-nous, donc l'ESA est responsable de ce module. Quel est son rôle? Quel est le rôle de l'ESA? Bon, le rôle principal, c'est la science. Il y a un certain nombre d'installations à bord
Et à sur Columbus, nous avons des installations scientifiques pour la biologie, installations pour l'expérimentation sur l'homme, mais nous avons également un certain nombre d'autres installations comme celle de la NASA. Donc il s'agit là d'un laboratoire international, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas simplement la science, mais maintenir toutes ces ressources qui vont soutenir l'opération, l'exploitation. Nous avons des systèmes vitaux, nous devons entretenir tous ces systèmes afin que les expérimentations puissent se tenir. C'est un effort complet, un travail d'équipe. On a 20 minutes avant le tir. Eh bien, comment je me sens? Et bien entendu, on se concentre sur les astronautes qui sont maintenant installés sur cette fusée. Il faut comprendre également que ce n'est pas simplement ces astronautes, mais cette mission est beaucoup plus large. Il y a des centaines de personnes dans le monde entier qui ont préparé depuis des semaines cette opération, et tout le monde est très excité, et le décompte fait en sorte qu'on peut respecter le programme scientifique. Merci Simons de nous avoir rejoints ce matin. Nous sommes toujours en direct au centre du contrôle de Cadmos au CNES de Toulouse. Dans un peu moins d'une demi-heure maintenant, la mission Alpha sera lancée depuis Cap Canaveral avec à bord du Crew Dragon 2 avec Thomas Pesquet et trois autres astronautes, deux Américains et un Japonais. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je vous propose d'ouvrir la seconde partie de cette émission, fédérer une communauté française autour du vol habité, puisque vous le savez, la France possède une longue expertise dans le domaine des vols habités. Elle dispose de ses propres expériences à bord de l'ISS qui sont gérées ici, dans ce centre, par les équipes du Cadmos. Derrière Thomas, il y a donc toute une équipe. C'est l'équipe de France Alpha qui unit une communauté française autour du vol habité. Alors pour en discuter, je vais accueillir trois invités. Jean-Loup Cartier, directeur technique de Comat. Bonjour et bienvenue. Vous êtes partenaire industriel du CNES. La Comat, c'est une PME toulousaine qui est dédiée au spatial, qui accompagne le CNES depuis longtemps sur l'activité vol habité. On a également avec nous Mauro Ogeli, responsable Cadmos opération USOC CNES. Bienvenue, merci d'être là. Et on rejoint à nouveau Sébastien Rouquette, ingénieur vol habité au Cadmos CNES. Ma première question, elle est pour vous, Sébastien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette équipe de France Alpha et le type de partenaires qu'elle réunit? Oui, tout à fait. J'aimerais bien vous en dire beaucoup plus et tenir comme ça pendant des heures. Il y a beaucoup à dire. Les expériences, on est là dans la salle de contrôle. On les opère ici, mais évidemment, c'est pas notre seule activité. On a aussi la responsabilité du développement d'une partie de ces expériences. Pour la mission Alpha, nous avons développé 12 expériences. C'est à peu près deux fois plus que ce qu'on avait fait pour Proxima. Donc ça montre aussi la valeur de notre travail. C'est une bonne partie des expériences que Thomas aura réalisées une fois dans l'ISS. On gère aussi dans cette salle de contrôle à peu près la moitié des expériences qu'il va réaliser. Donc ça aussi, c'est un signe de confiance de la part de l'ESA. Et donc ces 12 expériences qui ont été développées, elles ont été développées, évidemment, on n'est pas tout seul dans cette équipe de France, au CNES ou au Cadmos, avec l'aide de partenaires industriels notamment, qui sont des experts, en fait, chacun dans son domaine. Justement, à côté de vous, Jean-Loup, votre entreprise, la Comat, est partenaire du CNES et membre de l'équipe de France Alpha. Vous avez entre autres participé au développement d'une des expériences françaises, Télémac, on en reparlera peut-être. Pourquoi c'est important pour la Comat de faire partie de cette équipe de France ? Nous, on est très reconnaissants en fait, d'être associés à cet événement et de pouvoir développer des expériences pour la science, pour faire avancer la science dans un cadre ISS. Le contexte est évidemment stimulant pour nous. Il permet d'exposer nos travaux, donc il y a un retour médiatique vraiment intéressant. Qui n'arrive pas si souvent, en fait, dans un contexte national. C'est un peu comme si c'était nos Jeux Olympiques, tous les 4 ans. Et puis, techniquement, c'est un réel défi, pouvoir produire les équipements dans un temps record, en fait, pour cette phase-là. On est vraiment allé très vite et on a dû utiliser des techniques qu'on n'a pas souvent utilisées par le passé. C'est ça, vous m'avez dit, on a l'occasion de faire là des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de faire autrement. Oui, ça pousse à la créativité, en fait, c'est clair. Et puis, il y a une part de rêve? Alors, il y a la part de rêve qui est associée, et puis aussi une pression positive, mais qui est liée à l'humain, en fait. Nous, on développe aussi pas mal d'équipements pour les satellites, etc. Mais le domaine des vols habités est vraiment particulier, parce qu'il engage la sécurité de l'équipage. Et c'est plus qu'une préoccupation pour nous, c'est une obsession en fait de garantir
à tous les étages de la conception et du développement, la sécurité de l'équipage. Est-ce que vous diriez, Jean-Luc Cartier, que vous avez l'impression de faire vraiment partie d'un collectif ? Alors, c'est un état de fait. C'est un milieu où tout le monde se connaît, oui. Où tout le monde travaille en toute transparence et où toutes les étapes de conception sont soumises à la critique des pairs. Et donc, on a vraiment l'impression de faire un travail d'équipe. C'est pas qu'une impression, c'est une réalité. On travaille avec nos partenaires, le CNES évidemment, mais aussi nos sous-traitants, nos collègues, comme EREMS qui a développé l'électronique sur Télémac, par exemple. On va donner la parole à Mauro. Mauro, est-ce qu'on peut faire un point rapide sur ce qui est déjà made in France à bord de l'ISS ? Il y a déjà pas mal de choses. Oui, effectivement, à bord de la station, on a déjà des expériences, je dirais à peu près une dizaine d'expériences qui sont là-haut. Et que Thomas va retrouver, une partie vient de sa mission précédente Proxima. Elles ont été maintenues à bord pour être continuellement utilisées et opérées d'ici depuis le Cadmos. Je pourrais en citer par exemple trois qui viennent de l'expérience Proxima, qui sont Everywhere, qui est un assistant de l'astronaute qui est installé sur les iPads de la station, qui permet de récupérer les informations des différents capteurs, qui permet de faire le suivi nutritionnel de l'astronaute, qui permet d'avoir un échange privatisé entre l'astronaute et les équipes médicales qui sont au sol, qui permet de faire le suivi des expériences en physiologie humaine qui sont faites à bord, et donc avec des questionnaires qui sont remplis dans cette application. Il y a l'échographe, ECHO, qui est un échographe téléopérable, dont l'avantage de la téléopérabilité est le fait, en fait, que le spécialiste peut se trouver au sol et l'astronaute n'a pas besoin d'être un spécialiste d'échographie. Ça permet d'avoir de meilleures images, réduire le temps d'équipage. Il y a aussi FluidX, qui est une expérience en sciences des fluides, en mécanique des fluides, qui permet d'étudier la turbulence d'ondes capillaires, le ballottement dans les réservoirs. Et ça permet, par exemple, d'avoir des modèles un peu plus précis, par exemple pour les ergols dans les réservoirs des systèmes propulsifs. Et en plus de ces expériences, par exemple, on a une expérience en coopération avec la NASA qui s'appelle Déclic, qui permet dans la mécanique de la science de la matière d'étudier les matériaux quand ils se trouvent en proximité des points critiques, donc là où les phases peuvent coexister. Ça, c'est une réduction due au sol, ça va être remonté pendant la mission de Thomas. Peut-être Thomas pourra aussi aider pour le réinstaller et se trouvera là-haut. La dernière chose que je voudrais citer, c'est concernant la gastronomie spatiale. Et oui, la signature française. Exactement, voilà. Ouais. Donc, cette touche de cuisine française. Depuis pas mal d'années, on monte à bord de la station ce qu'on appelle des plats améliorés. Donc, c'est des recettes qui améliorent le repas que les astronautes peuvent avoir. On le fait en coopération avec Alain Ducasse, les équipes d'Alain Ducasse, le chef français, et la société ENAF qui se trouve en Bretagne. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Mauro. Merci, messieurs. On approche doucement, on y arrive, au moment dit du lancement. Je vous propose de découvrir en images ce que les astronautes ont fait ces dernières heures. Ça va vous rappeler des souvenirs, Jean-François. On va les commenter, ces images, justement. On va voir ce qu'ils ont fait au cours des dernières heures. Le réveil très matinal, on l'imagine. Oui, et puis l'équipement dans la salle mythique où se sont équipés tous les astronautes qui ont décollé de Cap Canaveral. Donc, chaque astronaute se voit assigner un technicien qui sera son spécialiste de sa combinaison. C'est 7 personnes, donc pour Thomas, c'est le numéro 28. Voilà, ils sont repérés par des numéros. Il s'agit de tester la combinaison. Il n'est pas question de laisser un équipage s'installer sans avoir vérifié que la combinaison, quand on la gonfle, elle ne reste pas étanche. Donc, ils sont équipés comme dans la capsule une heure après. Il était 4h15. Ah non, voilà. H-14, oui, oui, à ce moment-là. À quelle heure on se lève le matin là, pour Ils sont décalés. Ils se sont décollés à peu près. Ils se sont réveillés 6 heures avant le décollage. Ouais, ils sont déjà calés sur des shifts ISS. Oui, oui. Donc c'est l'équivalent d'un lever vers 5 heures du matin, heure de Paris. Donc on teste toute la combinaison, ses fonctionnalités, l'étanchéité, les connexions donc, pour respirer, pour parler. On vérifie que tout est bien aligné. Donc ils se sont levés, ils ont pris un petit déjeuner, un petit check médical rapide, oui. Un essai de la combinaison. Qu'ils gardent sur eux. Ah voilà, alors il fait un hug à ça. On les aime, ces techniciens, parce que la sécurité, notre sécurité dépend du bon fonctionnement du scaphandre, qui dépend de l'expertise de ces techniciens ou techniciennes. Quelle pression. Et alors là, ils ont quitté la shooting room. Il envoie des bisous, il applaudit, il est en forme, Thomas. Hein, très en forme. Ils sont donc c'est les quartiers de quarantaine que j'ai connus à 3 reprises, le même ascenseur. Après, on a l'occasion de dire au revoir à nos proches. Bah oui. C'est quelques personnes seulement,
à la sortie de ce bâtiment. Voilà, là, il y a les familles qui sont là. Hein. Oh, juste le conjoint. Et quelques collègues, notamment ce qu'on appelle les family escorts, des astronautes professionnels choisis par l'équipage, qui sont les aides des familles. Voilà, on les appelle les escorts qui vont aider les conjoints, les enfants à supporter cette période. Là, c'est la toute dernière fois où ils vont pouvoir voir, voilà, les portes des Tesla se referment. Et on va les emmener au pas de tir. Il est à quelle distance, le pas de tir, là ? Il doit être à une dizaine de kilomètres, à peu près. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, à ce moment-là ? Ah, c'est la concentration. On pense à tout ce qui arrive devant. Mmh. C'est un peu comme en pilote un avion. On vous dit toujours, soyez devant l'avion et pas derrière. N'attendez pas que les choses se passent. Donc, c'est constamment, comme dans tout travail opérationnel, faire ce qu'on a à faire maintenant, en ayant une partie du cerveau qui réfléchit à ce que sera la prochaine tâche. Et là, ils sont en train de penser à ce qui va se passer dans les minutes et les heures qui viennent. Et bien sûr, à l'ISS, qui rejoindront normalement demain, à peine 24 heures après le décollage. Évidemment, il faisait nuit, hein, mais le ciel était très, très dégagé. Alors, ils montent deux par deux dans l'ascenseur. Bon, c'est... Oui, on termine d'installer complètement les deux premiers avant d'appeler les deux suivants à s'installer. Donc, on installe d'abord le commandant de bord, Shane, pilote de l'armée, pilote d'avion et d'hélicoptère. À côté du japonais. Et donc, une fois arrivés là-haut, ils vont signer le logo de la NASA, hein, Jean-François. Voilà, on laisse toujours une trace avant de partir et on signe un poster dans les quartiers de quarantaine. Ouais. Très, très belle image. Donc, Shane, pilote d'avion et d'hélicoptère de l'armée, et sa collègue pilote, Megan, est océanographe. De formation. Et donc là, ils vont prendre place. Voilà, un dernier au revoir. Là, c'est Thomas et Akio. Encouragement. Est-ce qu'il y a des petits mots qu'on se dit, là, qui disent les techniciens on souhaite bon vol Oui. Bon, c'est minimum, mais un terme qu'on utilise beaucoup, c'est Godspeed. C'est un mot, une expression anglaise qui n'a pas d'équivalent français, qui est le mélange de bon voyage et bonne chance. Godspeed. Godspeed Crew 2. À la vitesse de Dieu, ouais. Voilà, il s'installe donc dans la capsule. Donc on rappelle que Thomas est tout à fait à droite, hein, tout au fond. Ils sont en position semi-assis, semi-allongée. C'est confortable cette position ? Oui. Alors, ils s'assiedent dans une position qui est proche de la position assise. Une fois tout installé, leur siège va basculer et ils seront plutôt comme dans une chaise longue légèrement repliée face au ciel. On supporte très bien les accélérations dans le sens d'être plaqué sur le dos. Bien sûr. Et c'est le cas pour toutes les montées dans l'espace ou rentrées dans l'atmosphère. Donc là, évidemment, il y a toute une séquence de vérification, de la pressurisation, que la porte soit bien fermée, etc. Allez, on avance. On va faire un focus sur les USOC, User Support and Operation Centers, le programme scientifique de cette mission Alpha, hein, qui, comme les précédentes, on l'a dit, a un objectif, faire de la science, on l'a compris. Je vous propose de faire donc un focus sur ces expériences. On va rejoindre Kirsten McDonald de l'ESA. Elle est aux Pays-Bas, à La Haye, en visio. Hello, Kirsten, can you hear me? Can you see me? I can see you. Hello, good morning. Bonjour, Kirsten. Vous pouvez m'entendre. Vous faites partie, donc, chef d'équipe de la planification d'utilisation de l'ASS, de l'ISS. Dites-nous, Kirsten, c'est quoi les OC? Est-ce que vous pourriez nous expliquer en direct des Pays-Bas, de La Haye, Kirsten McDonald, pardon. Kirsten, vous nous entendez? On va attendre quelques secondes. Est-ce qu'on a Kirsten? Yes. Kirsten? Je crois qu'on l'entend. Hi, Kirsten. Bonjour, Hello, Kirsten. Do you hear me? Yes, I can hear vous pouvez you m'entendre? Well. Oui, très so bien. These USOCs are responsible on behalf L'ESA est responsable au nom de l'ESA de préparer des activités, des expériences destinées à l'ISS qui sont actuelles en cours de développement pour comprendre les exigences scientifiques et les expériences en soi, ainsi que le matériel utilisé pour conduire ces expériences. On peut donc faire les procédures en amont, installer les expériences et mener les activités.
Donc, on a toute une mise en place du matériel dans un environnement qui simule l'espace pour s'assurer que toutes les étapes de la procédure sont correctes et respectées. C'est en fait un test run que l'on fait en amont. Ensuite, une fois que ces opérations sont menées, nous pouvons commencer à traduire ces expériences et on reçoit toutes les données de télémétrie qu'ensuite on enverra pour les analyses sur Terre. Dites-nous, comment est-ce qu'on a choisi ces expériences à mener sur l'ISS ? Il y a toute une série d'expériences actuelles, enfin en cours au niveau de l'ISS, de fluide physique, de radiation. Ces expériences vont continuer à être actives, mais outre celles-ci, d'autres vont être ajoutées avec des expériences biologiques, tonicité musculaire. Il n'y a pas eu d'expérience à ce sujet avant. Et, par exemple, les expériences de préhension du système neurologique, la perception du temps et l'atrophie musculaire dans l'espace. Et ceci est vraiment une contribution d'expérience avec le CNES qui a beaucoup contribué à réaliser ces expériences. Merci Kirsten, vous avez été avec nous ce matin. Merci beaucoup Jean-François. J'aimerais bien que vous nous expliquiez, c'est le second stage lock loading begins. Oui, c'est-à-dire que lorsque le premier étage a fini d'être rempli d'oxygène liquide, on commence à remplir le second. De toute façon, il faut que la fusée soit entièrement remplie de carburant pour décoller. Et le dernier remplissage, c'est l'oxygène liquide du deuxième étage. Merci Jean-François. Je me tourne vers Cécile, on est au CADMOS, au CNES de Toulouse. Bonjour Cécile Thévenot, vous êtes ingénieure vol habité ici au CADMOS MEDES. Alors Kirsten, on l'a vu tout à l'heure, nous a expliqué qu'il y a plusieurs USOC européens. Ici le CADMOS, c'est en quelque sorte l'USOC français, mais pas que, il fonctionne, on le rappelle, toute l'année, pas seulement quand Thomas est à bord de l'ISS. Ce CADMOS, il est reconnu pour son expertise dans le milieu spatial, c'est évidemment une grande fierté d'en faire partie. Expliquez-nous en quelques mots ce que vous faites précisément ici, Cécile. Alors, le CADMOS a deux missions principales. On va dire qu'il y a une première mission qui est de préparer et développer des expériences, c'est-à-dire qu'on reçoit un protocole expérimental, donc préparé par des scientifiques ou une équipe de scientifiques. Et notre premier rôle, c'est de le mettre en œuvre. Donc, pour cela, on peut avoir à développer du matériel parce qu'il n'existe pas. En tout cas, le matériel dont on a besoin n'existe pas. Auquel cas, on va faire appel typiquement à des industriels comme la Comat qui ont l'expérience, l'expertise, la connaissance de cet environnement si particulier qu'est le spatial. On peut aussi utiliser du matériel qui a été développé pas spécifiquement pour le spatial, mais qui existe, qui peut nécessiter quelques petits ajustements, on va dire. Voilà. Et ensuite, l'essentiel, c'est de le certifier, ce matériel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment constituer un dossier de sécurité. Donc, on va devoir le tester. Ça peut être des tests thermiques, électromagnétiques, s'assurer que les matériaux qui sont utilisés qui constituent cet équipement sont sans danger, pour s'assurer, encore une fois, que cette utilisation va être sans danger pour la Station spatiale internationale et surtout pour ses occupants, les astronautes. Dites-nous, Cécile, comment vous êtes préparée pour cette mission Alpha précisément ? Est-ce que vous êtes servie, on l'imagine, de l'expérience de Proxima ? Alors, bien évidemment, Proxima nous a... fort de cette expérience, on a essayé d'anticiper un petit peu plus Alpha, c'est-à-dire qu'on a commencé, je dirais, il y a un peu plus de 3 ans à préparer cette mission en réfléchissant aux expériences qu'on pouvait réaliser, en partant sur un programme un peu plus ambitieux que celui qu'on avait construit pour Proxima. C'est pour ça aussi qu'on est passé de 7 à 12 expériences. Voilà. Et la partie importante aussi, le deuxième rôle qu'on joue ici, c'est on se retrouve dans cette salle de contrôle et on suit en temps réel l'exécution de l'expérience. On apporte un support en temps réel. On est en contact audio, voire vidéo avec les astronautes et on peut répondre à leurs questions, voire apporter des solutions en cas de problème. Est-ce qu'on peut peut-être détailler assez rapidement, mais détailler quelques-unes des expériences qui vont être menées à bord par Thomas ? Oui,
Alors, moi, je peux vous parler de deux expériences dont je m'occupe. La première, c'est DREAMS. C'est une expérience qui vise à étudier le sommeil de l'astronaute avec une technologie un petit peu innovante, c'est-à-dire c'est ce bandeau qui est développé par la société DREAMS, qui est commercialisé par la société DREAMS et qui va permettre de mesurer un électroencéphalogramme pendant le sommeil de l'astronaute. Électroencéphalogramme dont on récupérera les données qui sera analysé par une neurologue spécialiste du sommeil du CHU de Toulouse. Une autre expérience dont je peux vous parler, c'est Immersive Exercise qui vise à utiliser la réalité virtuelle pendant l'exercice, comme ça a été évoqué plus tôt, qui occupe une grosse partie de la journée des astronautes. Et l'idée, c'est de lui permettre de s'évader un petit peu plus en utilisant une application qui a été développée par la société Fit Immersion et qui va lui permettre de, par exemple, faire du vélo dans la ville de Paris. Merci beaucoup Cécile, je me tourne vers vous Jean-François parce qu'on vient de parler de ces expériences qui vont être menées lors de la mission Alpha. L'une d'entre elles s'appelle Pilote. En tant qu'astronaute spécialisé dans les bras robotiques, vous avez eu l'occasion de la tester. On va regarder en image tout de suite. Pilote, c'est une application des recherches de neurosciences qui sont conduites dans l'ISS depuis de nombreuses années et qui met en œuvre en fait la façon dont on a compris que le cerveau était modifié son fonctionnement en situation de micro-pesanteur pour optimiser justement l'assistance aux astronautes lors de la réalisation de tâches télérobotiques. Donc par exemple, quand ils opèrent un bras robotisé à l'arrivée d'un véhicule cargo, par exemple. Donc cette expérience pilote, on l'a fait faire à Thomas déjà au sol. On va lui faire au début de son vol et on regardait à la fin de son vol comment son cerveau s'est adapté. Donc on lui refait faire plus tard. Et de manière identique, on lui refait faire quand il revient sur Terre, parce que là, on regarde comment le cerveau se déconditionne de la micro-pesanteur. Donc les partenaires du projet pilote, c'est avant tout un investigateur principal qui est du CNRS à l'Université Paris-Descartes, un support donc, de l'Institut de recherche Tecnalia, qui est basé en Espagne, qui nous a aidés notamment sur l'aspect télérobotique et réalité virtuelle. Et ensuite, un support donc, de la société Oculus, qui était très enthousiaste à notre projet et qui nous a bien aidés dans la qualification du casque pour l'espace. Donc, au moment où on doit démontrer que le casque n'induira pas de danger lors de son utilisation à bord de l'ISS. Le matériel pilote, tout est déjà prêt là-haut pour qu'il puisse faire l'expérience. Quand les opérations pilotes vont être faites d'ici quelques semaines, nous, les opérateurs, on va être en salle de contrôle, on va être directement connectés à la station spatiale et on est là en tant qu'experts de l'expérience. Donc là, vous avez le casque de réalité virtuelle que vous allez enfiler sur la tête et vous allez être immergé dans le monde pour capturer votre cargo et venir le docker. Donc je vous laisse le mettre. Alors c'est la toute première fois que je fais ça. Je mets le masque. Voilà. Donc je prends ici le bras de robot interactif et la space mask. Donc là, j'ai les translations à gauche et les rotations à droite, comme dans tous les cockpits de vaisseaux spatiaux. Là, il faut que vous pressiez un petit peu le bras de robot et maintenir enfoncé. Voilà, à vous. Alors j'attends que ça s'arrête, non ? Non, c'est vous déjà qui contrôlez le bras de robot là. D'accord. C'est très intéressant déjà de commander 6 degrés de liberté simultanément. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le monde quotidien. Mais je pense qu'en pratiquant un petit peu, on peut vraiment éduquer le cerveau à maîtriser des opérations nouvelles. Mais ça m'intéresserait vraiment d'essayer en apesanteur et sur Terre parce que le sens de la gravité influe dans l'éducation du cerveau, j'en suis persuadé. Donc je lirai les résultats scientifiques avec intérêt. En tout cas, quelle dextérité, Jean-François. Votre spécialité en tant qu'astronaute, c'était la robotique. Est-ce qu'on peut dire un mot très rapide, parce qu'on approche du lancement sur le European Robotic Arm et l'intérêt de la robotique? Oui, les robots sont indispensables pour étendre les capacités des astronautes à bord d'effectuer des tâches diverses ou éviter parfois de sortir en scaphandre à l'extérieur. Il y a un bras canadien très sophistiqué, il y a un bras japonais et le bras européen décollera dans quelques mois avec un vaisseau russe. Et c'est un bras qui sera très automatisé, donc l'équipage ne lancera que des séquences et c'est un bras qui peut marcher. C'est-à-dire qu'il a deux poignées aux deux extrémités et il peut marcher pour aller à un endroit assez éloigné de la station et pour contribuer, comme les autres bras robotiques, à la maintenance. Alors, Jean-François, on est à 7 minutes, un peu moins, hein, du lancement. On a une étape importante, 6 minutes même. Le Falcon 9 commence le refroidissement des moteurs avant le lancement.
Oui, toutes les. Vous savez, l'oxygène liquide dont on parlait tout à l'heure, il est autour de moins de 100 degrés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voyait des petites fumerolles à côté du lanceur. C'est tellement froid que ça condense l'humidité qui est élevée en Floride, dans l'atmosphère, en donnant ces petites effiloches de nuages. Et c'est un. Avant d'allumer les moteurs, il faut conditionner thermiquement les conduites, les valves et la chambre de combustion. Alors, on va rejoindre Dominique en Floride, sur place, à 5 minutes du lancement. Dominique Detain, à Cap Canaveral. Est-ce que vous m'entendez, Dominique ? Oui, on se retrouve ici, eh bien, au centre. On se retrouve ici au centre spatial Kennedy, où tout se passe bien, qu'on approche vraiment de ce lancement. Alors, près de moi, quelqu'un qui a vécu ce qu'est en train de vivre Thomas, Tracy Caldwell Dyson, vous avez été sur le même siège, enfin pas sur un Falcon, mais sur un Soyuz. Vous étiez dans la capsule en 2010 et 2016. Comment on se sent ? Qu'est-ce qu'il y ressent, Thomas ? Eh bien, écoutez. Thomas est certainement très excité, très enthousiasmé. Il n'a pas toutes les données devant lui, mais il est certainement tout à fait conscient de ce qui va se passer dans les 12 minutes après le lancement. Ça fait peur ? Non, non, ça ne lui fait pas peur. L'équipe est très entraînée et elle a toutes les informations en tête. Ils sont bien préparés pour cette mission. Ils n'ont pas peur. Lorsque vous étiez à sa place, ça vous manque, mais comment est-ce que vous vous sentiez à ce moment ? Alors, ça me manque. On se sent euphorique parce qu'on a tellement travaillé pour en arriver là que quand on arrive au compte à rebours, on sait qu'on va aller dans l'espace et il faut beaucoup anticiper et on est très impatient de mettre en pratique ce pour quoi on s'est entraîné. Donc ça vous manque, mais qu'est-ce qui vous manque ? Cette excitation, qu'est-ce qui vous manque ? Alors la chose qui me manque le plus, c'est la vue de la station spatiale. Regarder notre belle planète et toutes ces merveilles, les grands espaces, ce miracle que l'on appelle aussi la station spatiale, depuis la fenêtre, c'est vraiment une source d'inspiration. On voit les frontières ? Non, non, absolument pas. Voilà pourquoi il faut que plus de personnes aillent là-haut pour voir la vue, parce que c'est là que on voit que nous sommes une planète et que nous sommes voisins. Merci beaucoup, Tracy. Je sais que vous voulez observer, donc allez-y, regardez et regardons ensemble. À plus tard, à vous, Sophie. Merci beaucoup, Dominique. Voilà pour les mots de Tracy Caldwell Dyson. On va passer à la fin silence là dans quelques secondes, mais j'ai envie de vous poser cette question. Elle vient de nous dire que ce qui lui manquait le plus, c'était la vue de l'espace, Jean-François. Je suis très content que Tracy en ait parlé parce qu'on a beaucoup parlé du travail jusqu'à présent, mais il y a quand même un vécu personnel et tous les astronautes sont bouleversés par ce qu'on appelle l'overview effect, qui est une. On a beau voir des photos, des films, quand on voit de ses propres yeux la Terre défiler avec un champ de vue qui porte à quelques milliers de kilomètres, le contenu est coloré, contrasté, magnifique sur fond noir, vide, du cosmos à l'infini. On tombe amoureux de la planète au point de sentir des larmes dans le creux de nos yeux, même si vous êtes le plus endurci des astronautes. Et on a envie que tout le monde vive ça. Mon fantasme d'astronaute, c'est apprendre la Terre par cœur. Je connais des Russes qui ont volé plusieurs fois 6 mois dans l'espace. Vous leur montrez une photo de n'importe quel endroit, ils vous donnent le nom et l'endroit où ça se trouve. Ils connaissent la Terre par cœur. On est à moins d'une minute, Jean-François, on va passer à cette phase silence qui est importante et puis les dernières, toutes dernières phases que je vais vous laisser nous expliquer, nous commenter. Donc là, le lanceur est sur sa propre génération électrique. Et dans une minute, il va passer sur... Donc ce que l'on voit, ce ne sont pas des fuites, hein, c'est l'humidité de l'atmosphère qui se condense. Alors, il y a des trop-pleins. On maintient les réservoirs remplis jusqu'au dernier moment. Donc, effectivement, tout en haut, ce sont des trop-pleins des réservoirs. FTS is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Voilà. Dragon is in countdown.
c'est Crew Dragon qui contrôle le compte à rebours. Dragon, SpaceX, go for launch. Prêt pour le lancement. Copy, go for launch. T-minus 30 seconds. C'est toujours un moment très émouvant quand vous n'avez rien d'autre à faire qu'assister au spectacle. T-minus 15 seconds. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. This is and liftoff. Now continue with endeavor and clear 2. Copy, 1 alpha. Stage one propulsion is nominal. La fusée atteint environ une fois la vitesse du son au bout d'une minute. Très très belle image. On réduit légèrement la poussée, le temps de traverser des couches encore assez denses quand on est déjà très rapide, pour éviter une pression de l'air sur la fusée trop grande. Falcon 9 is supersonic. Max-Q. Là, on vient de passer le moment de résistance de l'air maximum. One Bravo. Copy, one Bravo. Là, ce sont des codes sur les zones de sauvegarde successives disponibles si besoin. La science des fusées, la rocket science, c'est une technique qui est difficile à maîtriser. On imagine. Il faut maîtriser une débauche d'énergie considérable, plusieurs dizaines de gigawatts de puissance mécanique. Là, on est déjà à 50 km au bout de deux minutes. Et à 5 fois la vitesse du son. Stage 1, throttle down. Ce sont des chiffres astronomiques, si on peut dire. Et 2 Mico. Alpha. Copy, 2 Alpha. Separation confirmed. Acquisition of signal valves. Séparation du premier étage. OK. MVAC ignition. Allumage du deuxième étage. Et on voit sur l'image de gauche une caméra, la vue d'une caméra qui est sur le premier étage, qui sera récupérée encore une fois. D'accord. Vous imaginez la température qui règne dans la tuyère de la fusée quand on la voit rougeoyer comme ça. Ils sont loin au-dessus de l'atmosphère déjà à ce stade. Déjà, oui. 150 km d'altitude. Dragon, SpaceX, trajectory nominal. Acquisition of signal, Bermuda. Copy, nominal trajectory.
La vitesse va grimper jusqu'à environ 200 km, mais après la trajectoire va s'incliner à l'horizontale dans le but d'accélérer jusqu'à atteindre cette fameuse vitesse orbitale qui permet, tout moteur éteint, de tomber sur une trajectoire de chute libre perpétuelle, qui a la même courbure que la Terre. C'est le principe de la satellisation. Ça veut dire que c'est plus confortable aussi pour l'équipage ? Là, ils sont autour de 3-4 G. Mmh. Dans la position où ils sont, c'est... tout le monde peut supporter. Copy, nominal trajectory. Déjà à 10 000 km à l'heure au bout de 5 minutes. C'est hallucinant. Acquisition signal, boss. Sur les anciens vaisseaux spatiaux, on passait une proportion du temps d'entraînement démesuré juste à cette phase, comparé à au temps qu'elle dure sur une mission, c'est quelques minutes. Parce que c'est une phase critique. Mais grâce à l'automatisation et la grande autonomie de ce vaisseau, l'équipage a moins besoin de consacrer de temps à l'entraînement de cette phase de lancement que sur les anciennes générations de vaisseaux spatiaux. Il y a encore quelques étapes critiques à passer, là, hein, Jean-François. Oui, là, c'est... la propulsion du deuxième étage. Il faut qu'elle aille jusqu'à son terme. C'est la première fois dans notre existence que notre destination n'est pas un point physique. Il faut atteindre un point virtuel dans l'espace à la bonne vitesse, dans la bonne direction. Les moteurs s'éteignent et on est tranquille, en orbite. Parce que les calculs ont été bien faits. Voilà, on reste autour de 200 km là. Donc la vitesse qui augmente, elle augmente horizontalement. Il reste encore 2 minutes de propulsion du deuxième étage. Dragon, SpaceX, trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. C'est très réconfortant pour l'équipage de savoir qu'à tout moment, ils ont cette capacité d'éjection en cas d'anomalie. C'est ce qui n'était pas le cas avec la navette spatiale américaine. Ouais. Mais c'était le cas avec les missions Apollo, Gemini et les missions Soyouz. Mm. Le premier étage vient de rallumer son moteur central pour se poser en douceur. Non, c'était peut-être le premier allumage, réallumage. Oui, il allume son moteur à 2 reprises pour faire une récupération intacte. Oh, quelle image merveilleuse. À gauche. Très belle image. Bon, là, ils ont décollé de nuit. Ouais. Mais même quand vous décollez en plein jour, au bout de 2 minutes, le ciel est noir d'encre. Eh oui. Avec le soleil éblouissant. Voilà, l'altitude reste toujours la même, mais la vitesse augmente. Oui. Ils sont autour de entre 3 et 3,5 G d'accélération. Là, ce qu'on entend, c'est toujours ces zones disponibles de sauvegarde si nécessaire. Qu'est-ce qu'on voit précisément sur l'image de gauche, Jean-François ? Vous pouvez nous commenter ? Ah, bah. C'est le premier étage. Ouais. C'est le retour du premier étage sur Terre. Le retour du premier étage sur Terre, c'est ça. Ouais. Shutdown. Voilà, extinction du deuxième étage. SpaceX, launch escape system disarmed. Voilà, ils ont désarmé le système d'éjection parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ils sont en orbite. Là, on respire un peu mieux. Bah, la phase critique est passée, elle est derrière.
c'est toujours magnifique parce que c'est une maîtrise de l'intelligence humaine derrière tout ça, d'hommes et de femmes, de centaines, de milliers d'hommes et de femmes qui maîtrisent des techniques, technologies, énergie considérables. Alors, est-ce qu'on va assister au posé en douceur Acquisition of signal, Newfoundland. Du premier étage. Voyez ce contraste entre la terre colorée bleue et le ciel très et noir. Le noir du cosmos. Ouais. Et dans 10 minutes, ils sont au-dessus de nos têtes. En 20 minutes, on est au-dessus de l'Europe. On va leur faire un petit coucou. Ça va très vite. Alors, il y a quelques minutes entre l'insertion sur orbite et la séparation du Crew Dragon. C'est la dernière étape critique qu'il reste. D'accord. Là, le Crew Dragon est encore attaché au deuxième étage. Il se séparera dans une minute et demie, à peu près. Une minute et demie. Est-ce qu'on sait où va se poser le premier étage ? Oui, sur un bateau, une plateforme, qui a été positionnée en mer à l'avance. Ah voilà, nos membres d'équipage. Ils sont en apesanteur. Et c'est Thomas qu'on voit à gauche ? Oui, pour tout le reste de leur mission. Ils ont les pieds calés dans des... Ouais, d'accord. Dans des sangles ? Oui, les repose-pieds qui leur servent, en tout cas pendant les fortes accélérations. Ouais. Ces très fortes accélérations, elles sont passées, là. Oui, ils sont en apesanteur maintenant, juste pendant 6 mois. C'est parti. Donc, on voit Thomas qui... Encore une trentaine de secondes. Qui se détend les doigts. Oui, les bras flottent. Oui, c'est vrai, on voit. Alors qu'il y a quelques minutes, ils pesaient 3 fois leur poids sur le thorax. Le premier paramètre que l'on regarde lorsque le moteur du dernier étage s'éteint, c'est la vitesse atteinte. Ouais. Est-ce que c'est une vitesse qui va nous maintenir en orbite ou une vitesse dégradée parce que le moteur s'est... arrêté un peu trop tôt ou n'a pas poussé assez fort. Et dans ce cas-là, on sait qu'on, irrémédiablement, on retourne sur Terre dans les dizaines de minutes qui viennent. Voilà, séparation du deuxième étage. Le Crew Dragon est autonome. C'est parti. En toute sécurité. Et maintenant, ils vont dériver pendant environ 23 heures en ajustant l'orbite pour rejoindre l'ISS. Say hi to the crew. Thanks for flying our first flight-proven crewed Falcon 9. See you inside, Crew 2. See you inside ISS. Thank you very much. We're great. It's glad to be back in space for all of us, and we'll send our regards to Crew 1 when we get there. Thanks. C'est magnifique. Il est content, Thomas. Regardez, ils sont très contents. Sont... Alors, est-ce qu'ils vont se tenir les mains? Souvent, c'est une tradition. Il nous fait un cœur. Oui. Il est pour moi, ce cœur, je pense. Hein. Pour nous tous. Il est pour nous tous, évidemment. Est-ce qu'ils vont se prendre les mains comme... Peut-être fait avant qu'on le voit, parce que c'est dès l'arrêt des moteurs, on se dit on est en orbite, c'est bon. Alors on imagine grand soulagement là, hein, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, Jean-François, comment vous l'avez vécu ce moment? Je le ressens comme eux, à la fois comme eux, mais comme un spectateur ému. Bien sûr. Parce que... je sais que c'est un point de singularité. Il y a tout un gros travail avant. Il y a tout un gros travail après. Et il y a ce point de passage étroit de quelques minutes par lequel il faut passer, qui est très critique. Je vous coupe, Jean-François, parce qu'on a le DG de l'ESA, Joseph Aschbacher, en visio, en Skype, pour une première déclaration. Yes, this is a very emotional moment. It's incredible to see these astronauts, Thomas, Shane, Megan... Et qu'on a de les voir dans cette Crew Dragon, c'est fantastique.
Je suis très heureux de voir Thomas et Sundar Yasser. Tout le monde ici est véritablement très fier, très excité de voir que ceci se produise. C'est absolument incroyable. Je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier nos partenaires, mais également les autres partenaires de la station internationale pour leur coopération excellente que nous avons eue, coopération internationale qui a rendu ce vol possible, avec un travail incroyable pour rendre possible ce vol et pour avoir donc Thomas Pesquet à bord. Il sera le commandant lors du dernier mois de son séjour dans la station. Il sera rejoint par un autre astronaute de l'ESA qui va également qui sera là après 6 mois, et ensuite nous aurons encore un autre astronaute de l'ESA, M. Cavaretti, qui rejoindra donc la station spatiale. Donc 3 astronautes qui seront donc sur cette station spatiale, ce qui est tout à fait unique et absolument spécial pour nous. Mais je voudrais également remercier l'ensemble des personnes impliquées, parce que ceci a été un effort considérable à la fois à la NASA, mais également avec tous les partenaires, ce qui ont rendu ceci, parce que la station internationale, c'est vraiment là que toutes les expérimentations peuvent s'effectuer, et nous travaillons tous ensemble pour la biologie, pour la médecine, pour tous les aspects scientifiques. Donc c'est très excitant, très impressionnant. Nous lançons beaucoup d'expérimentations. Thomas va conduire plus de 100 expérimentations lui-même, et avec une coopération très étroite avec nos partenaires. Et je voudrais donc encore une fois mentionner la coopération excellente avec le CNES et avec Philippe Baptiste, le nouveau président du CNES, qui est avec nous. Et nous allons faire des expérimentations ensemble. Et je voudrais encore une fois lui passer la parole pour qu'il fasse sa déclaration. Mais je voudrais rappeler à tous que l'ESA a également un concours qui est ouvert. Donc c'est très excitant. Il faut réaliser ses rêves, et il faut donc essayer de répondre à cette demande, à ce concours. Et maintenant, je passe la parole à Philippe. Merci encore de la part de l'ESA, et je passe la parole au CNES. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Bon, après ces très belles minutes, je voudrais simplement souhaiter une très belle fin de voyage. Il a encore une petite journée de voyage devant lui, Thomas et ses 3 collègues. Une très belle fin de voyage et une très belle mission à Thomas. Je crois qu'il incarne vraiment des valeurs qui sont très chères au monde scientifique et au monde de la technologie, de la précision, de la rigueur, de l'efficacité, mais aussi une vraie simplicité, et je crois qu'il nous inspire vraiment tous. Alors, je voudrais dire que le rêve spatial et le dépassement de notre condition est aujourd'hui incarné par Thomas et par ses 3 collègues, mais le spatial, c'est aussi, je voudrais le rappeler, une ambition européenne. C'est aussi un enjeu pour le climat et pour la Terre, et aussi un enjeu industriel absolument majeur. Les prévisions des retombées économiques de l'industrie spatiale sont simplement vertigineuses, retombées directes, retombées indirectes. Et le fonctionnement déjà de notre société aujourd'hui dépend profondément du bon fonctionnement aujourd'hui de nos satellites. Et demain, ce sera encore plus important. L'explosion de la data font de ce secteur un moteur de la croissance européenne de demain. Je crois que les GAFA ne s'y sont pas trompés. Un grand nombre d'États investissent vraiment très massivement aujourd'hui. Je suis convaincu que l'Europe, elle aussi, prend ce virage à la croisée du numérique spatial. Évidemment, je souhaite qu'elle le prenne aussi vite que vigoureusement. Alors, sans Thomas et sans ses collègues qui se relaient à l'ISS depuis 2000, et sans l'enthousiasme des agences et des grands pays du spatial, et je salue évidemment la NASA, et maintenant aussi des acteurs privés, le rêve de Mars, sur lequel nous avons tous un œil très attentif, ne serait qu'une chimère. Ce n'est plus totalement une chimère, mais n'oublions quand même jamais que si la Lune est à 400 000 km, Mars est à 55 millions de kilomètres. Le chemin n'est pas exactement le même. Nous parlons de missions de quelques jours pour aller sur la Lune. Nous parlons de missions de plusieurs années pour aller sur Mars. Le chemin scientifique et technologique est donc énorme. Mais au-delà de ce chemin scientifique et technologique, il y a aussi évidemment des défis simplement humains à surmonter pour un tel voyage. Donc, je ne mentionne pas ici le fait qu'il y a aussi quelques défis budgétaires, accessoirement, si on veut aller un jour sur Mars, mais défis budgétaires qui sont mondiaux.
Et je voulais terminer par un appel, évidemment, en rappelant la candidature de l'ESA pour devenir astronaute. Mais si la coordination est excellente, on ne s'est pas coordonné sur la conclusion. Donc je me contenterai de reprendre ce qu'a dit Joseph. Donc effectivement, les candidatures pour prendre le chemin de Thomas sont ouvertes. Vous avez encore quelques mois. Je vois encore de personnes très jeunes dans la salle. Et donc tout est encore possible. Et je me ferai un plaisir de transmettre moi-même les candidatures au directeur général de l'ESA. Merci beaucoup. Voilà pour l'intervention de Philippe Baptiste, le président directeur général du CNES, qui a passé un message. Hein. Donc voilà, tous les candidats, il est encore temps pour candidater et vivre le rêve de Thomas Pesquet. On est soulagés, on respire mieux. On va passer la parole, on va retrouver tout de suite Dominique Detain en Floride, qui doit être bien soulagé aussi, Dominique. C'est à vous. Oh, et qu'ici, c'était un spectacle magnifique, je vous assure. C'est pas mon premier lancement et franchement, c'est toujours extraordinaire. Alors, près de moi, justement, Mike Curry, you came back. Thank you for coming back. Merci what is your feeling? Comment vous sentez-vous? Est-ce que c'est comme moi? Enfin, vous en avez vu de nombreux lancements comme moi. Et puis, c'est jamais la même chose. Oui, c'est si bon d'être de retour. C'était un lancement magnifique. Et c'est toujours à chaque fois, c'est une expérience incroyable. Et je pense que ça vaut le coup, même si ça n'est qu'une fois dans votre vie. C'est vraiment une occasion. Parce qu'on le sent, on le voit, on l'entend. Et savoir que tout s'est bien déroulé avec toutes ces années de planification et ce dernier compte à rebours, et puis toutes ces personnes dans le monde entier impliquées dans cette opération, enfin, c'est un moment de grande fierté et de voir le ciel de Floride illuminé le matin. C'est incroyable. Écoutez, ça fait 11 ans qu'on n'a pas eu de lancement d'ici. Enfin, il y en a eu l'année dernière, mais je veux dire... Oui, non, c'est vraiment incroyable. Franchement, nous avons un rythme désormais où on s'attend à avoir des astronautes et des partenaires internationaux de l'ESA et la JAXA. On devrait avoir fréquemment des astronautes envoyés vers l'espace d'ici, et il est bon d'être à nouveau sur un rythme opérationnel où l'on peut planifier et exécuter des lancements. Nous avons 4 astronautes qui se rendent à la station internationale, qui seront rejoints par d'autres astronautes, et on aura 11 personnes dans l'espace en même temps. C'est juste incroyable. Revenons à Dragon Crew 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Ils se détendent? Ils sont juste maintenant en chemin? Bah, écoutez, c'est le début d'un voyage de 23 heures. On est à 23h20 au moment du lancement, avant l'amarrage à la station spatiale. Et entre-temps, il y aura un certain nombre de phasages, et les propulseurs également seront utilisés, et un certain nombre d'opérations seront réalisées. Donc les propulseurs du Dragon Crew seront allumés. Il y aura également un allumage de phasage pour les remettre sur la bonne trajectoire afin qu'ils soient exactement où il faut. Il faut qu'ils soient en orbite légèrement plus basse que la station spatiale, et ils pourront utiliser cet excès de vitesse pour pouvoir atteindre la plateforme en bénéficiant également de l'aide des propulseurs de la capsule. Mais tout fonctionne vraiment à merveille, c'est incroyable. Eh bien, merci beaucoup, Mike. J'étais ravi de vous avoir avec moi et de bénéficier de votre expertise. Et puis, bien sûr, nous suivrons l'accostage demain. Et nous suivrons, bien sûr, cette mission de très près. Et on sera ravi de vous revoir demain avec Mathias Mora et
et les autres. Merci beaucoup, Sophie, à vous, et on se revoit plus tard avec d'autres invités. Merci, effectivement, Dominique. Voilà, le lancement s'est bien passé. On a assisté à un spectacle époustouflant. Hein. L'équipage est safe dans la capsule. En partance pour l'ISS, il devrait atteindre le Mercury, il a dit, d'ici 23 heures et 23-hour rendez-vous, comme il l'a si bien dit. Ben, je vous propose qu'on parle à présent, on va tourner une page dans cette émission, on va parler des vols habités. Quel futur pour les vols habités? Et tout de suite, on va rejoindre David Parker, qui est directeur de l'exploration humaine et robotique à l'ESA. Il est là avec nous. Good morning, David. Well, I guess you're feeling happy to be off the ground. It's very, very happy feeling right oui, now. Every c'est launch, vraiment un sentiment incroyable. Chaque lancement ravive toutes ces émotions, cette puissance, cette majesté d'un décollage, et puis bien sûr cette excitation de Thomas. C'est une mission tout à fait passionnante. 6 mois à bord de la station internationale pour la science, pour la technologie, et c'est un moment très important parce qu'il y a exactement 20 ans, le premier astronaute de l'ESA est entré dans la station spatiale. Donc c'est un moment historique pour nous et il est toujours bon d'être de retour au Cap pour le lancement. David, vous avez lancé un nouveau processus de lancement de nouveaux astronautes. Oui, écoutez, merci. Bah, la première chose à dire, c'est que les astronautes, pour l'instant, dont Thomas, se rendent régulièrement sur la station. Mais on a besoin d'une nouvelle génération. On va rentrer dans une nouvelle phase. Nous avons 3 sièges pour aller sur Orion, pour aller vers la Lune, et on va continuer à travailler pendant la décennie à venir. Et donc, on a besoin de rajeunir un petit peu, et cette nouvelle génération sera peut-être la génération qui mettra le pied, qui posera le pied sur la Lune, et peut-être, pourquoi pas, mettra le pied sur Mars. C'est vraiment notre programme. Alors, dites-nous, David, qui peut postuler? Quel type de candidat recherchez-vous? Ben écoutez, tout le monde avec la bonne expérience et connaissances. Si vous allez sur notre site internet, vous pourrez voir de quoi il s'agit. Mais on voudrait avoir le genre de personne qui peut être capable de travailler en équipe. On a besoin de personnes qui soient capables de travailler dans une très grande équipe, dans l'espace, mais sur Terre. On se réjouit de voir plus de femmes candidater. On va sélectionner 5 à 6 astronautes dans l'équipe cœur, mais on aura en plus une équipe de réserve, peut-être jusqu'à 20 personnes qui pourraient prendre des missions alors qu'elles se présentent. Et autre chose qui est une nouveauté, on essaie de voir s'il est possible de entreprendre une mission pour d'envoyer quelqu'un avec un handicap vers la station. Et donc, ce serait vraiment incroyable de pouvoir ouvrir la porte à des personnes avec un handicap et de pouvoir les envoyer. Magnifique. Restez avec nous, David. Nous allons voir maintenant comment Thomas a postulé et s'est présenté candidat pour être astronaute. It's not easy. I mean, it's hard. Sometimes it's painful to be bad at things because you're trying. So you cannot be good right from the beginning. You have to struggle and get better. Because nobody succeeds every single time. It just doesn't exist. But it's the confidence that you can try and you shouldn't forbid yourself from trying. I've kind of always wanted to be an astronaut, but in a way I never thought that was something realistic. So I was interested, but just the same as, you know, kids are interested in sports and they'd like to be the soccer, football world champ, because it looks cool. But you don't really see a way for you to do this. I mean, it looks like it's for some special kind of people that live on TV. I knew nothing about it, but I studied and then I tried. I tried everything. I tried, you know, skydiving. I tried to go live abroad. I tried to learn new sports, speak languages, apply for jobs, apply for some qualifications, everything. It's like being on a trail, and suddenly there's two different ways and a branch. So which one are you going to take? And then there'll be another one and another one and another one. I think what's important is I didn't forbid myself.
to apply to the selection, to try and become a pilot, even though no one around me was a pilot. So I think my pretty much my only skill growing up was the confidence that I was going to apply to everything, and I was going to try my best, and it doesn't matter if I succeed or not, I was still going to keep trying. And I think with this attitude in life, you do good things. It doesn't matter what you choose to do, but just keep pursuing it and you'll be fine. Quel merveilleux message, hein. Croire en la vie, la confiance en soi. Jean-François, un petit aparté, parce que vous faisiez partie du jury qui a sélectionné Thomas. Vous avez vu tout de suite ce potentiel en lui, et puis cette grande humilité, on le retrouve encore là. Oui, c'est important lorsqu'on pratique les interviews individuelles de sentir que dans les tripes du candidat, c'est vraiment son destin. Il sent que c'est ça qu'il veut faire. Mmh. Qu'il reste calme en situation avec des questions parfois qui sont un peu difficiles, et puis l'envie de contribuer à un grand projet, voilà, l'envie d'être ambassadeur, parce qu'on a parlé du rôle des astronautes sur le plan professionnel, opérateurs de machines, mais ils ont un rôle d'ambassadeur, de communicant, pour intéresser le public au spatial, mais plus généralement pour sensibiliser la population à toutes les avancées que cela soutient. Mmh. On va retrouver David. David, back to you. I have one last question. Encore, thank you David, for still being with us. Dernière question. Tell us, David, how does Dites-nous, Thomas David, comment est-ce que l'entreprise de Thomas, est-ce qu'elle s'intègre dans votre projet plus généraux? Merci beaucoup. Bah, écoutez, la mission de Thomas fait partie d'une séquence qui nous emmènera un jour avec des bottes sur Mars, la planète rouge. Mais pour l'instant, Mars n'est une destination que pour nos robots. Donc, au-delà de cela, on se prépare pour le retour sur la Lune et explorer sérieusement la Lune cette fois-ci. Donc, on étudie la propulsion d'Orion, qui est le véhicule qui emmènera des humains sur la Lune. Nous avons trois sièges déjà prévus sur ce vol. Où iront les astronautes? Quel sera le premier endroit? Eh bien, le premier endroit, c'est notre nouvelle station spatiale autour de la Lune, qu'on appelle la Lunar Gateway, que l'Europe construit deux de ces quatre éléments dans ce programme patiemment. Donc, les astronautes iront là-bas et de là, on ira vers la Lune. On emmènera nos astronautes pour explorer ce continent, cette planète sérieusement. Et donc, et de là, on ira vers Mars. Merci beaucoup, David, de nous avoir rejoints. Merci pour ces informations extrêmement intéressantes et cette expérience partagée avec nous. On va passer à un autre chapitre de notre émission. Une chose est sûre, la France est prête pour le futur, on l'a dit. Elle est pionnière en matière de vol habité. La collaboration franco-soviétique des années 80 avait permis à Jean-Luc Chrétien de rejoindre la station Salyut. Aujourd'hui, l'objectif international affiché, c'est bien d'amener la Lune, l'homme pardon, sur Mars en passant par la Lune. Alors, quelle est la contribution française sur cet objectif? Pour en parler, deux invités qui m'ont rejoint au CADMOS, François Jobter-Monrosier, qui est sous-directeur adjoint de la partie opérations, sciences et exploration du CNES, et puis Jean Blouvac, responsable du programme exploration et vol habité au CNES. Merci messieurs d'être là tous les deux. Ma première question, elle est pour vous, monsieur Blouvac. Jean, en quoi peut-on dire que la France est-elle vraiment prête pour ce futur? Merci Sophie. La France est vraiment prête pour ce futur et on en a la démonstration aujourd'hui. La prestation de Jean-François sur le plateau nous montre bien toute l'expérience acquise. Également le vol de Thomas qui est en train de préparer de nouvelles expériences et de préparer de nouvelles technologies. Ce sont déjà deux preuves évidentes. Au-delà de ça, nous participons à l'ensemble du programme de l'Agence spatiale européenne qui couvre les trois destinations, qui sont l'ISS, l'orbite basse, mais aussi la Lune, sur laquelle nous préparons et dont David Parker vient de parler, avec le Lunar Gateway, cette petite station autour de la Lune. Bientôt, probablement, des hommes à la surface de la Lune pour des périodes beaucoup plus longues. Et enfin, le Graal, peut-être plus lointain, mais aller à la surface de Mars, faire un voyage habité jusqu'à la surface de Mars, qui aura lieu peut-être d'ici quelques années, mais qui apparaît de plus en plus vraisemblable aujourd'hui. Donc, au niveau français, nous participons à l'ensemble de ces briques. Et également, nous avons des coopérations directes avec un peu toutes les agences spatiales du monde actuellement qui s'intéressent toutes à l'exploration et au vol habité. L'exemple le plus récent a été la participation à Mars 2020, où nous avions en particulier des instruments construits en France qui sont au top niveau des possibilités scientifiques.
Ma seconde question, elle est pour vous, François Jocteur Monrosier. Comment est-ce que, concrètement, vous construisez ce futur? Alors, concrètement, aujourd'hui, le CNES a décidé de mettre en œuvre une démarche d'innovation ouverte en invitant des experts français de l'industrie et de la recherche pour nous aider à définir et consolider les feuilles de route technologiques sur ces différents sujets pour permettre ces futures missions. Alors, au-delà des technologies spatiales classiques, on est aujourd'hui sur des sujets comme l'habitat, la nutrition, la santé, l'agronomie ou encore le numérique pour justement permettre ces futures missions. Donc, l'idée, c'est de préparer finalement l'équipe de France pour contribuer à l'exploration, mais également finalement avec des sujets qui peuvent avoir des fortes synergies pour des applications très terrestres. Donc, on est également sur ces sujets-là. Et pour finir, cette équipe de France, elle joue dans un collectif européen, on l'a déjà évoqué. Et évidemment, on travaille en coopération très très forte avec l'Agence spatiale européenne pour construire ces feuilles de route et avoir une approche complémentaire entre tous les participants européens, tous les partenaires européens pour cette aventure spatiale. Et une toute dernière question à Jean Blouvac. Deux grandes industries françaises sont déjà embarquées dans l'aventure lunaire et martienne, ADS et Thales Alenia Space. Est-ce qu'on peut développer, mais rapidement? Oui, très, très rapidement. En effet, ces deux grands maîtres d'œuvre français, mais derrière ces deux grands maîtres d'œuvre également, tout un tissu d'industries et de petites entreprises, notamment pour développer des futures technologies, comme François vient de l'expliquer, avec des idées innovantes. Et donc derrière ces deux grands maîtres d'œuvre, d'un côté, Thales va construire des modules du futur station Gateway, et puis Airbus aussi va construire de son côté l'orbiteur, en fait le véhicule qui va aller chercher des échantillons martiens dans le cadre de la mission Mars Sample Return très bientôt pour ramener des échantillons sur Terre. Et ça va participer à la connaissance que l'on va acquérir de la planète Mars et donc permettre d'avoir une très bonne connaissance avant d'envoyer évidemment des hommes sur Mars. Merci à tous les deux, merci messieurs. Justement, transition toute faite pour découvrir notre prochain petit film éducatif avec cette fois un focus sur le Moon Camp Challenge en images. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on va rejoindre tout de suite Dominique Detain, qui a un invité au Kennedy Space Center, c'est ça? Si j'ai bien compris. Dominique, est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, c'est à vous. Oui, Sophie. Ici, au Centre Spatial Kennedy, eh bien, moi, je vous entends très bien. Moi, je vous entends très bien, Sophie. Ici, eh bien, écoutez, on se relaxe, de même que les astronautes actuellement dans leur capsule, bien sûr. Alors, j'ai près de moi quelqu'un de très intéressant, parce que lui, les capsules, il ne connaît pas, mais il connaît les bateaux et sur des longues distances. C'est Tanguy Delamotte. Alors, vous avez été skipper de Initiative Cœur, vous avez traversé l'Atlantique, vous avez fait le Vendée Globe avec de très belles places. D'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce décollage ici? Oh bah c'est très très impressionnant, c'est des sensations que j'avais jamais ressenties auparavant. Quand on a le countdown, derrière on voit la lumière qui est vraiment éblouissante. En plus il faisait nuit, donc tout d'un coup c'est presque le jour. Et ensuite le bruit arrive et les vibrations, là, on sent que toute la Terre tremble, j'en ai encore des frissons, c'est incroyable. Alors les sensations quand même, vous devez en connaître, je sais pas, le Vendée Globe, ça doit pas être simple. Oui, c'est pas simple, mais là c'est vrai qu'on sait qu'on part pendant le Vendée Globe, c'est 3 mois, on part pendant longtemps avec beaucoup d'imprévus. Thomas, il part pour 6 mois avec le moins d'imprévus possible parce que tout est préparé à la minute. On m'a dit hier que pour un astronaute, il y avait 1000 personnes à Terre qui travaillaient, donc à l'ESA, à la NASA, chez SpaceX, etc. Et donc nous, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, mais c'est vrai que on a à peu près les mêmes câblages pour se mettre dans cette zone de découverte, de recherche de l'inconnu, de dépassement de soi. Et ouais, le Vendée Globe, ça peut être apparenté à ce que Thomas fait, mais c'est forcément spécifique. C'est sur des missions de longue durée. C'est-à-dire, oui. Et vous avez un but. On sait qu'à un moment, vous espérez arriver, même si des fois ça casse. Et c'est du confinement.
Ah oui, oui, bah dans un bateau du Vendée Globe, on est, bah on a le droit d'aller à l'extérieur, ce qui n'est pas son cas. Oui. Enfin, lui, il a la chance de sortir une ou deux fois. C'est pas recommandé. Voilà, mais c'est pas recommandé. Non, nous, on a quand même l'espace extérieur, mais on est dans quelques mètres cubes. Donc effectivement, là, ils vont se retrouver à 11 dans la station spatiale pendant une semaine. Ça va être serré, ça va être. Le confinement et l'éloignement, oui, effectivement, on vit les mêmes choses. On vit la solitude en plus de ça. On sait dans le fond de notre tête que quand Thomas était dans l'espace pendant mon deuxième Vendée Globe, ça aurait été l'être humain le plus proche de moi à 400 km au-dessus de la Terre, parce que moi souvent je suis à 1000 km de la Terre ou 2000 km. Donc c'est, ouais, on sait qu'on est loin et on vit plus la solitude que ce qu'ils peuvent vivre dans l'espace, mais c'est des phénomènes mentaux et psychologiques qui sont peut-être un petit peu différents. Mais le voyage est court. Ensuite, il a un séjour long, on va dire, sur lequel il a beaucoup de travail qui a été préparé pour lui. Et nous, on est en compétition, donc c'est pas tout à fait la même ambiance quand même. Il y a un côté environnement extrême. Oui, environnement extrême, bien sûr. On respecte, on est tous les deux dans des véhicules qui nous protègent et qui nous embarquent dans un endroit où on est de passage. Et donc, il faut que ça se passe bien. On se fie à la technique. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance de traverser l'Atlantique, on a ramené mon bateau de course du Brésil jusqu'en France avec Thomas. On a passé deux semaines ensemble sur Initiative Cœur. Et on faisait beaucoup de parallèles entre sa vie dans l'espace et son rêve de repartir à l'époque, etc. Et c'est vrai que c'est incroyable d'être là aujourd'hui et d'être là pour son départ. C'est vrai que les départs de course, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup d'amis qui viennent nous voir. Et puis, en fait, on ne peut pas vraiment partager avec eux ou avoir beaucoup de temps, puis le soir ils font la fête alors que nous on est parti sur l'eau. Lui il est parti il est parti à 40 minutes, mais il a déjà vu de la terre. Ça doit être incroyable d'être là-haut aussi vite en fait. Mais la vue des océans quand vous êtes au milieu de nulle part doit aussi être, ça doit être un espèce de vertige horizontal. Ouais, on voit que la terre est ronde, on voit l'horizon très loin et c'est des moments géniaux, mais effectivement, nous, c'est presque monotone parce qu'on voit que la mer et les vagues, mais les couleurs changent, les vagues changent, notre humeur change aussi en fonction de notre sommeil, de nos contrariétés, de nos problèmes techniques. Donc non, c'est jamais... on a toujours envie d'y retourner et je comprends l'excitation que Thomas a eue pendant ces trois années de préparation entre ces deux vols. Dans laquelle on a fait notre traversée ensemble, et c'est vrai que c'était super de partager ces moments parce qu'on a maintenant on a des liens assez forts. Et c'est vrai que de vivre un départ de vol habité, je discutais avec des gens là qui effectivement, on sait qu'il y a Thomas dans la fusée, c'est autre chose quoi. Eh bien écoutez Tanguy, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos impressions. Eh bien c'est vrai, Thomas est là-haut. Thomas rejoint son nouvel appartement pendant maintenant quelques mois. On se donne rendez-vous bien sûr pour continuer à suivre l'aventure de Thomas avec le docking, avec l'amarrage qui aura lieu demain, à peu près à la même heure que a eu lieu le décollage. Pour ma part, eh bien écoutez, je vous dis au revoir. Et ravi d'avoir pu participer un petit peu à cette superbe histoire spatiale que l'on vit toujours ici au Centre Spatial Kennedy. À vous Sophie. Merci infiniment Dominique de nous avoir fait vivre cet événement au plus près. Jean-François, dans l'espace, on ne se sent jamais seul, on n'est jamais seul. Mais on est en liaison constante maintenant avec le sol et puis on est entouré de collègues. On va continuer à parler un petit peu d'expérience. Effectivement, l'émission touche à sa fin, mais j'aimerais qu'on parle d'une expérience que le CNES a réalisée dans le cadre de la première mission de Thomas. C'était en 2016, hein, Proxima. Cette expérience avait été un tel succès qu'elle est devenue un outil important sur l'ISS. Cette expérience s'appelle ECHO. Et si on devait la résumer en quelques mots, on peut dire qu'elle permet à un expert de téléopérer une échographie depuis la Terre sur un astronaute dans l'espace. Vous me corrigez, messieurs, j'ai deux invités qui nous ont rejoints dans la salle de contrôle du CADMOS, Didier Chaput, ingénieur vol habité au CADMOS CNES, vous avez aidé à concevoir ECHO, et puis le professeur Philippe Arveille, médecin échographiste de l'Université de Tours. Vous êtes par ailleurs le principal instigateur de ce projet. Philippe, première question, pourquoi c'était essentiel d'arriver à opérer depuis le sol et surtout comment ça marche? Eh bien parce qu'une échographie, la difficulté, c'est de trouver la coupe de l'organe, soit longitudinale, soit transverse, qui soit exactement celle que le médecin ou le physiologiste qui est au sol a besoin. Et si vous avez quelqu'un à distance, que ce soit à 5 mètres ou 400 km, si vous lui demandez avec une sonde d'échographie de faire 90 degrés, il va très bien le faire.
Mais si vous lui demandez de faire 2 ou 3 degrés à droite ou à gauche, là, c'est quasiment impossible à répéter. Donc, le rôle de l'astronaute, c'est de localiser la sonde en face de l'organe. Et nous, depuis ici, depuis le Cadmos, on peut affiner l'orientation, la rotation de la sonde, jusqu'à voir la vue parfaite de l'organe. Et on peut en plus activer les fonctions de l'échographe avec le clavier qui est devant moi. Et ça, c'est des choses que l'astronaute n'a pas à faire. On n'a pas besoin de lui dire « appuie sur le bouton Intel » ou « cherche celui-là qui est sur le clavier à droite, à gauche, on ne sait pas trop où ». Là, il maintient la sonde et nous, on manage tout le reste. Donc, on gagne du temps, on gagne de la précision et de la qualité de valeur scientifique et médicale. Didier, expliquez-nous, la technique a évolué évidemment depuis Proxima. En quoi ? Alors, la technique a évolué effectivement au niveau de l'équipement qui a été embarqué à bord de la station. Donc, on remet à jour de façon régulière le logiciel en fonction des besoins des scientifiques. On monte aussi des nouvelles sondes qui seront utilisées pour le programme des missions de longue durée d'un an dans lequel Philippe est impliqué. Mais on travaille aussi sur le futur et sur les missions lunaires. Donc le CNES est impliqué dans un groupe de travail pour définir quel sera l'échographe utilisé lors de ces missions lunaires. Donc cet échographe qu'on pourra dans un premier temps téléopérer, donc réutiliser la technologie qu'on a développée dans le cadre du ISS. Mais plus on va s'éloigner de la Terre et moins cette téléopération sera possible. Et donc il va falloir embarquer de l'intelligence dans des systèmes d'échographie et aussi les miniaturiser comme on peut voir ici. C'est un des candidats justement pour les missions lunaires. Essayer de mettre un petit peu d'intelligence dans ces équipements en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, prendre un petit peu d'expertise de Philippe et la mettre dans l'équipement. Une toute dernière question, Philippe. Est-ce qu'il va y avoir des applications possibles sur Terre ? Quelles sont-elles ? Les applications sur Terre, elles sont extrêmement simples. On a quantité d'endroits sur la Terre où on a des patients qui consultent un médecin généraliste, mais qui sont obligés de prendre leur voiture et prendre des rendez-vous à distance pour aller faire une simple échographie. Or, on a tenté, il y a quelques années, d'installer cet appareil même, le jumeau de celui qui est dans la station internationale, dans une maison de santé en Indre-et-Loire. Et les patients qui arrivaient chez le médecin généraliste avaient leur échographie dans la foulée, faite par le médecin généraliste qui n'est pas échographiste, mais il tenait la sonde à l'endroit où je lui disais, et moi, je manipulais la sonde et l'échographe à distance, comme on fait pour l'ISS. C'est exactement la même chose. Ça a un succès fou, mais depuis, le succès n'a pas perduré parce que ça prend du temps aux médecins et le monde privé de la médecine gagne beaucoup moins d'argent, donc il n'y a pas trop de suite. Merci en tous les cas, messieurs, d'être venus nous parler de cette expérience ECHO. Il était précisément 11h49 à Paris, 5h49 en Floride, quand le Crew Dragon de SpaceX a décollé de Cap Canaveral, emportant à son bord l'équipage de la mission Alpha, dont notre astronaute Thomas Pesquet, un lancement époustouflant que nous avons vécu ici en direct de la salle de contrôle du Cadmos au CNES de Toulouse, moment que je vous propose de revivre tout de suite en images. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Stage 1 propulsion is nominal. De loin, c'est un point très brillant et sur le fond noir de la nuit. Malgré le masque, j'ai vu votre émotion. Il monte très vite. C'est un moment effectivement très fort qu'on a vécu, un moment historique, breathtaking, comme disent les Américains, à couper le souffle. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour réaliser cette émission, les équipes évidemment du CNES et de l'ESA, tous les intervenants, les techniciens ici sur ce plateau et en régie, ils sont nombreux, sans qui rien n'aurait été possible. Merci à nos interprètes en cabine qui ont eu du travail, Liliane, Marie, Guy et Bénédicte, merci à eux. Merci beaucoup Jean-François de m'avoir accompagné, quel plaisir et quel honneur. Un grand bravo à vous tous.
Toulouse. Beaucoup d'émotions ce matin au CNES de Toulouse. Une grande fierté en tous les cas d'avoir participé au lancement de cette mission Alpha. Nous avons évidemment une très belle et une très chaleureuse pensée pour nos 4 astronautes à bord de Crew Dragon qui sont safe et qu'on retrouvera d'ici à peu près 23 heures pour l'amarrage, pour le rendez-vous avec l'ISS à la Station Spatiale Internationale et le démarrage concret du coup de cette nouvelle mission pour Thomas Pesquet, notre Thomas Pesquet national. Rendez-vous donc demain, ici, même endroit, même heure, pour vivre ce grand moment chargé d'émotions aussi, Jean-François. C'est pas rien le docking, l'amarrage. Ouais, c'est une autre phase critique. À chaque fois qu'un vaisseau rentre en contact avec un autre vaisseau ou une autre matière, c'est critique. C'est comme un avion, c'est l'atterrissage qui est critique. Ouais. Et il faut arriver avec le bon alignement, à la bonne vitesse, pour que l'accrochage se fasse bien. Mmh. Et ça, c'est critique. Et on vivra ça, évidemment, en direct avec vous. J'aurai le plaisir d'avoir ce moment avec vous demain. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis et qui continuez à rêver en regardant les étoiles. À très bientôt. Excellente journée à tous. Et puis, comme l'espace et l'avenir, on l'a compris, on se quitte avec la compilation des projets à destination des jeunes qui ont rythmé cette émission. Rendez-vous sur Internet pour en savoir plus. Excellente journée. Bye bye. Ciao.